Isabelle. Je t'appelle, je me permets, je suis au conseil là et on... Non. La personne qui gère la vidéo est bien lancée, ça apparaît pas. Et en fait,
ça tu le gardes. Merci, madame. Merci, merci. Merci Bon, t'as pu mettre le capteur. Ah, super. T'as le capteur. Je vais appuyer ça là. Mesdames, vous m'entendez ? Mesdames et messieurs, chers élus, mesdames et messieurs, vous nous regardez par la voix de cet enregistrement. Dans la mesure où nous avons été limités en raison de contraintes sanitaires. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce conseil municipal qui va commencer sans plus tarder par l'appel. Il est là, Monsieur Fonck, il est là également, Madame Anna est absente, on nous donne pouvoir, Monsieur Salou est présent, Madame Lanza est présente,
Ça marche là ? Parfait. Sinon, je peux parler plus fort, mais ça risque d'être désagréable pour le premier rang. Donc, Madame Ferreira-Barbosa est absente, donc ce serait bien de me proposer quelqu'un d'autre. Monsieur Tivoli, alors, vous acceptez ? Donc, Monsieur Tivoli oui. est d'accord, il sera donc le secrétaire de séance. Ceux qui ont des pouvoirs, donc je vous prie de bien vouloir les remettre, ils ont été transmis, donc c'est bon. Le quorum est atteint et nous allons pouvoir commencer. Donc la situation sanitaire, hein, je n'y reviens pas, nous impose un certain nombre de restrictions, notamment pour les personnes qui n'interviennent pas le port du masque, hormis boisson ou nourriture, et le respect des règles qui nous imposent simplement d'avoir 5 spectateurs aujourd'hui, hein, ce que je regrette naturellement pour les personnes qui auraient souhaité venir, mais malheureusement ces contraintes, nous les connaissons, elles s'imposent à nous, que nous les approuvions ou pas, et dans la mesure que nous approuvons ou pas. Et d'ailleurs, je souhaiterais dire en prélude à ce conseil que nous avons été hein, assez choqués des nouvelles mesures sanitaires qui ont été imposées par Monsieur le Préfet. Nous comprenons et nous considérons qu'il est indispensable de protéger les personnes de la maladie, c'est évident. Mais je pense que nous n'avons pas vocation, en tout cas l'État n'a pas vocation à détruire une activité économique, à ruiner des personnes qui se trouvent du fait des restrictions dans une situation éminemment difficile. Et si vous êtes d'accord, je ne vous propose pas une motion parce que nous ne pouvons pas en voter, mais je vous propose d'approuver tout simplement une critique de principe à la façon dont les mesures sanitaires sont mises en place, d'une façon autoritaire, si je puis dire, sans concertation et sans tenir compte, à mon sens et au sens de beaucoup de gens, notamment des médecins, hein, des gens aussi de la cellule Covid, qui considèrent qu'à l'heure actuelle, effectivement, il faut protéger, mais que ce n'est pas la meilleure façon de protéger. Hein, je ne suis pas sûr que le Covid arrive à 22h01 dans un bar. Je ne suis pas sûr non plus que les salles de sport soient un lieu particulièrement exposé, plus en tout cas que ce qu'on a pu voir dimanche, hein, où nous avons été, chacune et chacun d'entre nous, exposés lorsque nous nous sommes rendus voter aux élections sénatoriales, où il n'y avait absolument aucune distanciation qui était organisée, où nous avons été entassés dans des couloirs sans qu'il y ait aucune séparation qui soit faite. Et je trouve que voilà, on a besoin de protéger les gens, on a besoin d'être vigilants, de veiller les uns sur les autres, mais je pense aussi qu'il faut raison garder. On n'est pas là pour détruire une économie, d'autant que, fort heureusement, les chiffres de l'épidémie sont en baisse sur le département des Alpes-Maritimes. On a moins de gens malades, moins de gens hospitalisés au cours des trois dernières semaines. Et malheureusement, on est un peu surpris. Je pense que l'opposition, comme la majorité, en tout cas certains d'entre vous, partageront cette, non pas cette colère, parce que ce n'est pas le mot, mais plutôt cette inquiétude, cette préoccupation que nous avons à l'égard de nos concitoyens, à l'égard de celles et ceux qui travaillent, qui ont des activités, des entreprises à faire vivre et qui se trouvent aujourd'hui dans une situation particulièrement grave. Donc si vous en êtes d'accord, hein, je vous demande, si vous le souhaitez, d'approuver à main levée, hein, non pas une motion, parce qu'on ne peut pas en ajouter comme cela, mais tout simplement ce message de soutien qui sera adressé aux entreprises qui subissent des contraintes particulières. Voilà, donc moi, je sollicite aussi bien la majorité que l'opposition. Nous sommes la représentation démocratique de notre ville. Et par conséquent, eh bien, je vous invite, si vous l'approuvez, à lever la main ce message. Je vous remercie. Je me félicite que nous ayons une quasi-unanimité. Merci pour les destinataires. Et j'espère que la situation va s'améliorer pour eux. Merci à tous. Alors, une observation aussi avant de commencer ce conseil municipal. Je dois dire que j'ai été choqué, c'est le terme, choqué, par l'attitude de certaines personnes qui ont cru bon d'inventer un certain nombre de polémiques liées aux indemnités des élus. Alors, on peut approuver, on peut critiquer, ce n'est pas le problème. Hein, le débat démocratique implique évidemment la discussion. Mais lorsque j'entends et je vois que certains, y compris des personnes qui sont assises ici, ont cru pouvoir écrire que nous avions considérablement augmenté nos indemnités, que nous avions, alors certains ont dit, triplé nos indemnités, je ne sais pas d'où ça peut sortir une chose pareille, que nous aurions des indemnités absolument colossales. Je tiens juste à donner deux chiffres qui vont permettre de remettre les choses en perspective.
Donc, lors du mandat de mon prédécesseur, et ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est simplement une constatation chiffrée, lors du mandat de mon prédécesseur, donc Madame Saluki, en juillet 2014, le montant global des indemnités des élus, un montant mensuel global, était de 27 017,05 euros. Le montant global des indemnités de notre majorité est de 21 670,11 euros. Sur l'année, donc montant global annuel brut des élus, de Madame Saluki, majorité, et ce n'est pas une critique, je le redis, 324 204,60 euros pour la rémunération de la majorité, notre majorité, 260 041,30 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous ce mandat, la majorité coûte, entre guillemets, 64 163,30 euros de moins que la majorité sous le mandat précédent. Et ça fait, sur un mandat de 6 ans, 384 979,8 euros. Autrement dit, donc sur un mandat, notre majorité est rémunérée, et je ne le regrette pas du tout, environ 385 000 euros de moins que ce que l'était la précédente majorité. Donc j'ai été profondément choqué de lire des choses comme ça. On a un devoir de vérité lorsqu'on est élu, lorsqu'on représente nos concitoyens, pour nous-mêmes, mais à la rigueur ce n'est pas très grave, mais surtout pour les personnes que l'on représente. Et je pense que lancer des fausses rumeurs, inventer des choses, ou alors avoir une telle non-maîtrise de ce qui est dit, c'est profondément grave, parce que c'est avec ce genre de propos que l'on nourrit un ressentiment contre la classe politique, contre le parlementarisme, contre la démocratie elle-même. Et c'est très grave de faire ça, hein, parce qu'on sape la confiance dans les institutions, on sape la confiance dans les élus, on attaque des personnes, et je trouve que c'est tout à fait déplacé. Voilà. Donc je ne vise personne, hein, même si je sais que certaines personnes ont écrit des choses, que d'autres les ont partagées, les ont diffusées, ont raconté un certain nombre de choses. Voilà les chiffres précis. Hein, vous pouvez vous adresser au service de la mairie, pas à moi, parce que vous allez peut-être avoir des doutes par rapport aux chiffres que je vous donne, mais vous pourrez demander donc à la DRH et au service des finances, et ils vous diront qu'au centime près, les chiffres que je vous ai livrés sont vrais. Donc voilà, je pense que c'était important de faire cette mise au point. C'est important, quand on est représentant de nos concitoyens, on a, je le disais, un devoir de vérité vis-à-vis d'eux, un devoir de transparence aussi, je n'en disconviens pas, mais la vérité, c'est la base même de l'action politique. Et quand on commence à énoncer des contre-vérités, quand on raconte des choses qui ne sont absolument pas fondées, eh bien, je le dis, on sape les institutions et on crée de graves problèmes, hein, parce que tout simplement, les personnes n'ont plus confiance ensuite dans l'institution censée les représenter, et on peut déborder sur des extrémismes de différents ordres, voire même certains actes qui sont complètement déplacés. Voilà. Donc j'en informe les journalistes, hein, qui pourront évidemment, et je tiens le diffuser, le dire, je tiens à leur disposition l'affiche, et bien entendu, s'ils souhaitent des précisions, ils pourront s'adresser directement au service, hein, de sorte qu'ils aient vraiment des chiffres qui sont incontesté et incontestable, parce que, comme je le dis, je peux comprendre que mes chiffres ne vous convainquent pas, mais ce ne sont pas mes chiffres, hein, ce sont les chiffres de la comptabilité municipale, de la comptabilité publique même, qui sont validés. Voilà. Donc nous allons pouvoir, sans plus attendre, reprendre l'ordre du jour, hein, de ce conseil municipal. La secrétaire de séance a été remplacée par un secrétaire de séance. Monsieur Tivoli a présenté une motion qui nous a été envoyée dans le délai et dont je parlerai à la fin de ce conseil, hein, puisque nous avons un ordre du jour. Et après chaque lecture de délibération, un petit rappel, hein, vous pouvez évidemment formuler vos observations, solliciter un débat, hein, avant le vote, ce qui permet évidemment à l'opposition, aux oppositions, de s'exprimer, hein, dans la plus grande liberté et à nos concitoyens d'être parfaitement informés. Alors, pour chacune des délibérations, hein, vous avez reçu la note qui l'accompagne, les documents annexés. S'agissant d'abord de la première du premier élément de l'ordre du jour, les procès-verbaux des conseils municipaux du 4 juillet, 10 juillet et 20 juillet 2020. Donc, il s'agit évidemment des rapports de ces derniers conseils qui ont été
tapés, qui vous ont été soumis dans le dossier et qu'il convient désormais d'adopter. Donc il s'agit, hein, je répète, mais vous avez l'habitude de ça, d'une transcription hein, de ce qui s'était dit précisément le jour de la séance. Donc on va procéder au vote. Qui vote contre l'approbation? Qui s'abstient? Donc les procès-verbaux sont approuvés. Ah, vous voulez qu'on les fasse PV par PV? Alors, on va les faire PV par PV. Donc le premier PV, c'est celui du Conseil en date du 4 juillet 2020. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est approuvé. Deuxième procès-verbal, c'est celui du 10 juillet 2020. Pareil, qui vote contre? Qui s'abstient? Approbation unanime. Troisième PV, c'est la séance du 20 juillet 2020. Qui vote contre? Qui s'abstient? Approbation de l'ensemble des procès-verbaux. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est la présentation des décisions municipales qui sont prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Là aussi, hein, vous avez eu les différentes décisions prises. Vu l'article L21-22, vu la délibération du 20 juillet 2020, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions qui vous ont été envoyées. Qui est contre? Oui, Monsieur Manago. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît, à propos de certaines décisions, dont une en particulier qui a attiré notre attention. Il s'agit de la DC 207-0146. Concernant le local situé 21 rue Clément Bel, appartenant à M. Michel Perrin. Oui. Nos observations sont les suivantes. La préemption était une de nos questions posées au précédent conseil, à laquelle vous, M. Luciano, y avez répondu favorablement et de façon simple et évidente en étudiant chaque cas dans l'intérêt collectif. Ce sont vos propos. Dans le cas présent, et bien que la raison de vétusté du local soit annoncée comme inopportune, nous affirmons que la localisation du local, rue Clément Bel, et les nuisances régulières relevées dans ce quartier en particulier, étaient plus que suffisantes pour réaliser cette acquisition et permettre à notre commune de proposer un loyer modéré à un nouvel artisan ou un nouveau commerce, dont l'objet serait plus en ligne au développement économique choisi par notre ville. Sans ignorer pour autant que le caractère sécuritaire et le degré de nuisance qui marque ce quartier, les considérations financières, au vu des montants mis en jeu, ne constituent pas, selon nous, un argument suffisant face aux facteurs sécuritaires bien connus dans cette partie de la ville. Si cette décision devait être subordonnée à une promesse de campagne au bénéfice de l'intéressé ou du futur acquéreur, elle ne s'inscrit regrettablement pas dans l'intérêt de ce quartier ni de la ville. Cette décision vient en opposition à vos intentions annoncées devant ce Conseil sur les raisons et le droit de préempter. Devons-nous douter des annonces et ou effets d'annonce que vous exercez devant ce Conseil, sinon de la moralité qui en découle? Tous nos concitoyens apprécieront. Alors, Monsieur Manago, je vois que vous êtes en forme aujourd'hui, c'est bien. Comme d'habitude, vous avez... Autant que vous, je pense, monsieur. Tant mieux, je m'en réjouis. Vous avez le verbe acerbe. Et vous nous faites un procès d'intention sur l'opération. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous reprochez à cette opération? Précisément, est-ce que vous avez des personnes que vous visez, le cessionnaire par exemple du fonds? Parce que nous parler de problèmes de sécurité dans la simple cession d'un fonds de commerce, cela me paraît pour le moins surprenant, hein, à moins que vous ayez des informations sur la personne, et auquel cas il faut signaler qui est cette personne et quel est le problème de nuisance qu'elle occasionne. C'est très simple, le commerce en tant que tel n'est pas en cause. C'est directement le droit de préemption qui était exercé pour des raisons très précises de sécurité et de ciblage précis des commerces et des artisans. Si le commerce ne pose pas problème, artisans, si le commerce ne dans pose certains pas problème, quartiers qui Manago, aujourd'hui sont réputés si pour certaines ne pose pas nuisances. Problème, où est la difficulté? Donc systématiquement, n'importe quelle opération qui doit se faire dans le rue Clément Bel, il faut systématiquement préempter, d'après vous. Il faudrait qu'on investisse, en l'occurrence, hein, il y a 63 000 euros... 58 000 euros d'acquisition plus 5 000 euros de frais d'agence.
Donc il aurait fallu mettre 63 000 euros dans cette opération. Et dans toutes les autres, systématiquement, dès lors qu'il y a une vente, il faut que la ville acquiert. Pas nécessairement. Ah, bah vous me dites... faites dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr je précise si. Bien que la localisation est tout à fait ciblée. Donc tous les autres, toutes les opérations de la rue Clément-Bel, nous devons acquérir. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Ah, bah, c'est pas très précis ce que vous nous avez dit alors. Soyez un peu plus précis. Je pense l'avoir été, disons, dans les propos que j'ai tenus. Et selon nous, disons, ce refus n'est pas approprié, tout simplement. Le refus n'est pas approprié, mais vous ne nous amenez pas d'éléments qui tendent à démontrer que ce refus n'est pas approprié. Si ce n'est qu'il s'agit d'une opération dans la rue Clément-Bel et que, ipso facto, hein, vous considérez qu'il faudrait systématiquement préempter tous les locaux qui se vendent dans cette rue. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, il faut l'assumer. Financièrement, hein, vous pensez que la ville a vocation à racheter tous les locaux de la rue, y compris des locaux qui sont dans un état particulièrement dégradé et pour lesquels nous avons de grosses dépenses qui sont dues à l'héritage que nous laisse notre prédécesseur. Parce qu'évidemment, on a systématiquement préempté des choses qui n'ont aucune valeur à des prix qui sont complètement exorbitants aux frais du contribuable. Ce n'est pas vous, M. Manago, qui payez. Ce n'est pas moi non plus. Donc c'est l'argent du contribuable que l'on utilise. Tout ça pourquoi ? Pour faire une sorte de vitrine. On achète tout et après, on laisse des commerces fermés. Vous savez combien il y a de commerces fermés dans Val-Louis, M. Manago, qui ont été préemptés par la précédente municipalité ? Il y en a plusieurs dizaines. Je vous en cite un. La Pignate, par exemple. La Pignate a été achetée 90 000 euros dans l'avenue Georges Clémenceau. Ça fait 5 ans qu'elle est fermée et elle coûte de l'argent aux contribuables tous les mois. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne gestion ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait multiplier ces opérations ad nauseam, hein, toutes les opérations de vente, il faudrait systématiquement qu'on achète ? En situation vous, cas par cas, bien sûr que oui. La commune ? Oui, tout à fait. Ah oui, je comprends pourquoi les finances dans sont la précédente mandature, il y avait un budget qui était alloué pour la préemption et notamment pour deux aspects précis, et les raisons sont tout à fait claires, je me répète simplement, c'est pour des raisons de sécurité, de tranquillité de quartier, mais aussi pour le développement économique choisi. Mais il n'y a de problème de sécurité que si vous mettez en cause le cessionnaire. Qui est ce cessionnaire et quel risque porte-t-il à l'ordre public ? Dans la mesure où le local nous échappe, on ne pourra pas savoir qui pourrait l'acquérir et sur quel type de commerce, dans tous les cas de figure. Donc dans ce cas-là, on tombe dans un système stalinien où l'État ou la commune est propriétaire de tous les locaux pour être sûr qu'on a des gens qui nous conviennent. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr que si. Si vous dites qu'il faut tout préempter, on est dans le stalinisme. Et comme ça, il n'y a plus d'initiative privée, il n'y a plus de commerce privé, hein, il n'y a plus que des commerces municipaux qui sont loués. Donc généralement qui sont achetés pour des prix très élevés par rapport à leur valeur et qui sont sous-loués, parfois à des amis, hein, disons-le clairement, hein, pour des sommes qui sont complètement dérisoires. Donc aux frais du contribuable et dans un espèce de système où l'argent public est jeté par les fenêtres, hein, où il n'y a aucun contrôle, aucune maîtrise des sommes et où on continue comme ça eh bien, à faire payer le contribuable pour avoir des dizaines de commerces qui restent fermés. C'est votre droit, hein. Vous avez le droit de le penser, monsieur Manago. Je ne suis pas sûr que les contribuables soient d'accord avec vous. Vous avez bien compris, monsieur Luciano, et un raisonnement par l'excès n'est jamais très bon. C'est ce que vous êtes en train de formuler. Tout à fait. Comme un raisonnement qui consiste à dire on va préempter tous les commerces dans une zone pour pouvoir évincer qui, c'est pas, qui vous visez. Laisser des commerces fermés, vous pensez que ça c'est bon pour la commune ? Allez demander aux commerces qui sont au voisinage de tous ces magasins qui sont fermés. Vous pensez que c'est bon pour eux ? Vous pensez que c'est bon pour le contribuable d'avoir la Pignate 90 000 euros, 800 euros par mois de loyer payé par le contribuable pour un local fermé ? Vous en voulez de nouveau ? Ah, donc monsieur Perrin, qui est vendeur, allez, 63 000 euros, on achète. Et puis à côté, un autre, 150 000. Vous savez ce que vous avez fait ? Ce que votre majorité avait fait, même si vous n'y étiez pas. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a produit une inflation des prix de vente des locaux commerciaux parce que les gens savaient que systématiquement ça allait être préempté et ils vendaient à des prix exorbitants des choses qui ne valaient rien. C'est-à-dire que la collectivité se trouve maintenant dans l'obligation de réparer des locaux qui ne valent rien du tout et qui coûtent de l'argent aux contribuables et qu'on n'arrive même pas à sous-louer. Ou alors à des prix comme 100 euros par mois alors qu'ils nous coûtent 200, 300, 800 1000, ou 1000 euros. Bravo. Mais bon, vous avez le droit, monsieur Manago, de penser comme cela. Y a-t-il d'autres observations sur les décisions ? Non ? Pas d'autres ? Alors, je vous demande au Conseil municipal de prendre acte des décisions qui ont été jointes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, prise d'acte de ces décisions.
troisième délibération. Excusez-moi. Oui. Pardonnez-moi. Avant de continuer, nous avons quelques mots adressés à l'ensemble des membres du conseil municipal. C'est sur quel sujet ? Est-ce que ça correspond à l'ordre du jour ? Parce que si c'est le cas, vous les présenterez à la fin du conseil. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais donc vous les présenterez à la fin du conseil. Vous ne pouvez pas restreindre notre parole. Je ne restreins pas votre liberté. Je vous dis que vous les présenterez à la fin du conseil. Pas, ce n'est pas vous qui décidez le moment où vous les présentez, madame. Vous les présentez soit en lien avec l'ordre du jour, auquel cas vous avez une totale... C'est en lien avec l'ordre du jour, puisque c'est une délibération que vous n'avez pas présentée à l'ordre du jour et qu'on aimerait bien qu'elle soit à l'ordre du jour du prochain conseil. Donc est-ce que vous pouvez me laisser la parole sur ce point-là ? Je ne vois pas pourquoi au milieu de l'ordre du conseil, à la fin du conseil, je vous donnerai à tous la parole pour parler aussi longtemps que vous le souhaitez. J'aimerais intervenir sur cette... Je ne vous autorise pas à intervenir maintenant, vous interviendrez à la fin. Il y a un ordre du jour, nous sommes à l'ordre du jour numéro 3. Si ça n'est pas en lien avec l'ordre du jour numéro 3... Il n'y a pas besoin que ce soit à l'ordre du jour, madame, pour qu'on puisse intervenir. Mais vous pouvez intervenir. J'aimerais bien intervenir maintenant avant de continuer sur... Parce que Vous avez envie d'intervenir maintenant. D'accord. Et la représentation a envie que vous interveniez plus tard. Voilà. Donc je suis le président de séance. Et je vous demande, non pas pour vous, c'est pareil pour tout le monde, si c'était une personne de ma majorité, je dirais la même chose. On a un ordre du jour, on suit l'ordre du jour, et à la fin, on est fondé à présenter les observations que l'on souhaite présenter. Voilà. Donc, ordre du jour numéro 3, c'est la présentation du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Valoris-Golfe-Juan au titre des exercices 2011 et suivants. Alors, le rapport, évidemment, est long. Je ne vais pas le reprendre entièrement, mais je vais simplement vous faire une présentation sur un certain nombre d'éléments. Donc, un historique d'abord rapide sur la procédure et sur la présentation en cause. Donc, par un courrier du 3 août 2017, le président de la Chambre régionale des comptes de PACA a informé Madame Saluki, en tant qu'ordonnateur de la ville, de l'ouverture du contrôle de la gestion de la collectivité à compter de l'exercice 2011. Monsieur Gumiel, ancien ordonnateur, avait également été informé par un courrier du 25 août 2017. Donc, de la date d'ouverture de la procédure en 2017 jusqu'en 2018, il s'en est suivi un certain nombre d'échanges de documents qui ont eu lieu entre l'équipe de contrôle et les services de la ville. Donc, les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 12 juin 2018 avec les deux ordinateurs. Les observations provisoires de la Chambre des comptes ont été remises à Madame Saluki et à Monsieur Gumiel. Des compléments d'informations ont été transmis par les services de la ville. Et après avoir examiné les réponses apportées, la Chambre a arrêté ses observations. Le rapport définitif de la Chambre en attente de réponse a été transmis à la ville le 11 octobre 2019. La ville disposait d'un délai de 2 mois pour répondre aux observations, ce qui a été fait par un courrier du 7 novembre 2019. Tout est dans le dossier. Le 26 novembre 2019, la Chambre a adressé à la ville le rapport d'observation définitive qui est annexé à la présente délibération. Et ce rapport doit donner lieu, comme vous le savez, à un débat qui est inscrit à l'ordre du jour et qui est donc inscrit aujourd'hui. Alors, ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué, c'est le Code des juridictions financières qui l'impose. Il n'y a pas de transmission possible à des tiers avant les élections, d'où évidemment le fait qu'on délibère, en tout cas on statue dessus, aussi tard. Alors, au titre de la synthèse du rapport, donc ce rapport, je le rappelle, a été fait sur la base des données des exercices 2011 à 2017. Depuis 2018, certains points relevés par la Chambre ont été corrigés et sont mentionnés dans la réponse qui a été apportée le 7 novembre 2019 par la commune. Donc, l'analyse porte principalement sur la situation financière des comptes de la commune, sur la gestion du stationnement payant et sur la gestion des plages, étant précisé qu'il y a un autre rapport d'observation qui est établi pour la gestion des ports et sur lequel, évidemment, on sera amené une autre fois à discuter. Alors d'abord sur la situation financière de la ville, donc sur la période 2011-2017, la Chambre relève, je cite, une situation financière dégradée. Donc la commune est surclassée dans la strate des communes de 40 000 à 80 000 habitants,
parce qu'il y a des équipements publics qui sont dimensionnés pour accueillir cette population, comme vous le savez. Et à ce titre, évidemment, la commune doit faire face à un certain nombre de dépenses, dépenses qui sont naturellement plus importantes compte tenu de ces équipements. L'excédent brut de fonctionnement est faible, dit encore la Cour. Il correspond donc au solde entre les recettes et les dépenses réelles de gestion, hors résultats financiers et exceptionnels. En moyenne, donc, cet excédent il se situe à 6 millions, montant qui est jugé par la Chambre trop faible pour permettre de dégager un autofinancement suffisant des investissements. Donc, les produits de gestion ont augmenté à un rythme de 0,7% par an, avec un recours à la fiscalité mesuré, nous dit le rapport. Donc ça, c'est un bon point. Des charges de gestion qui sont élevées. Donc notamment, il est pointé que ces charges de gestion sont plus élevées que celles des communes de taille comparable. Elles ont également connu une progression rapide, plus rapide que celle des produits de gestion. Si des économies sur la gestion courante ont ponctuellement été faites, un travail sur les charges structurelles, notamment celles liées à la gestion du patrimoine, M. Managot, ça rejoint ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, et aux dépenses de personnel devra être mené. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour. La Cour parle également d'un endettement élevé en soulignant que le poids de la dette de près de 50 millions d'euros est important et que l'encours de la dette de la commune de Vallauris est élevé. Je ne fais que citer, je n'ai pas ajouté de commentaires ou d'observations personnelles. La Cour suggère qu'un redressement des comptes de la commune est nécessaire, qu'il passe par une action sur l'ensemble des leviers disponibles, la fiscalité, les dépenses de fonctionnement et la politique d'investissement. Il est précisé, là encore, la phrase est dénuée d'ambiguïté, la commune devra mener également des actions structurelles. Celles-ci devraient porter en premier lieu sur les dépenses de personnel, la Cour qui le dit, qui restent élevées et qui continuent d'augmenter. Dans la période finale du rapport, ces charges ont augmenté. Elle devra également tendre vers une optimisation de la gestion patrimoniale, là encore, ça nous rappelle la décision dont on a parlé, c'est-à-dire notamment qu'il va falloir réaliser une rationalisation des travaux d'entretien. Enfin, toujours la Chambre qui parle, la commune ne peut pas négliger une réflexion sur le développement de ses recettes autres que fiscales, ce qui nécessite notamment de renforcer le contrôle opéré sur les délégataires de services publics. En ce qui concerne la gestion du stationnement payant sur le territoire communal, la Chambre pointe une coordination insuffisante entre la définition de la politique de stationnement et la passation de la délégation de service public. La délégation de service public, signée pour une durée de 30 ans, a vu son périmètre et sa tarification modifiés après sa signature. L'ampleur et la précocité des modifications apportées par les deux arrêtés indiquent que la réflexion sur les enjeux et la stratégie de la politique de stationnement n'était pas aboutie au moment de la signature de la Convention, nous dit la Chambre. Aussi, les avenants signés ultérieurement prévoient que la commune prendra à sa charge le paiement d'une subvention d'équilibre au délégataire si le chiffre d'affaires ciblé n'est pas réalisé. Ainsi, la commune verse annuellement au délégataire une contribution d'équilibre qui est évidemment néfaste pour les finances de la commune. S'agissant de la gestion des plages, alors pour ce qui concerne les plages du Soleil, de 1992 à 2002, l'État avait concédé l'équipement, l'entretien et l'exploitation de la plage naturelle dite du Soleil, mais avait refusé le renouvellement de la concession à partir de 2003. La ville a récupéré la concession en 2019 et de nouveaux établissements de plage ont pu bénéficier de sous-traités d'exploitation. Ce sont ceux que vous connaissez aujourd'hui. Pour ce qui est de la plage du Midi, un arrêté préfectoral du 28 août 1987 avait entraîner concession à la commune de la création et de l'exploitation de la plage considérée comme artificielle et dite du Midi. La durée de la concession était de 30 ans, le contrat expiré le 31 décembre 2017. La concession a été renouvelée par l'État en 2018 pour une durée de 12 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2029. En ce qui concerne les redevances versées par les sous-traitants, par les lois attribuées en 1987, la redevance ne comportait qu'une part fixe, déterminée par l'application d'un prix au mètre carré de la surface de l'emprise au sol. Pour les lois attribuées à partir de 2012, la redevance comportait, en plus de la part fixe, une part variable basée sur le chiffre d'affaires. Selon la Chambre, l'absence de part variable avait pénalisé fortement la collectivité, qui aurait pu percevoir des montants de redevance plus élevés. Les montants de redevance perçus ne permettaient pas de recouvrir les charges de la commune pour l'entretien et la gestion des plages.
Les nouveaux sous-traités d'exploitation qui ont été mis en place depuis 2018 comportent une part fixe et une part variable. Et malgré... Bref, maintenant on viendra. En ce qui concerne le contrôle de l'exécution des sous-traités par la commune, les sous-concessionnaires doivent transmettre chaque année un rapport d'activité sur l'exercice N-1 qui doit ensuite être présenté en conseil municipal et en commission consultative des services publics locaux. Selon la Chambre, ces documents n'ont pas été transmis de façon régulière et peu de relances ont été faites par la ville en vue d'obtenir ces éléments. Dans ses recommandations, la Chambre invite la commune à renforcer ses contrôles sur les sous-concessions de plage et à assurer un suivi de la mise en œuvre des demandes formulées. J'en viens aux 8 recommandations de la Chambre régionale des comptes. Donc, dans son rapport d'observation définitive, la Chambre régionale des comptes formule 8 recommandations. Conformément à l'article L243-9 du Code des juridictions financières, la ville a l'obligation, dans le délai de 1 an, à compter de la date de présentation du rapport, donc aujourd'hui, de mettre en œuvre les dispositions proposées. Les actions entreprises dans le délai par la commune devront donner lieu à une nouvelle présentation devant notre Assemblée. Donc, s'agissant d'abord de la qualité de l'information financière et de la fiabilité des comptes, première recommandation, il est prévu de présenter un rapport sur les orientations budgétaires comportant l'ensemble des informations prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc le dit code dispose que dans le rapport d'orientation budgétaire, le ROB, qui a remplacé le débat d'orientation budgétaire, il doit y avoir un certain nombre d'éléments rétrospectifs et prospectifs, ainsi que des données relatives au personnel et à la gestion de la dette. Depuis l'exercice 2019, le ROB a été revu et complété. Ce document présenté en 2019 et en 2020 répond aux recommandations de la Chambre. Seule la partie prospective pourra faire l'objet de compléments, même si les évolutions législatives de ces dernières années et la crise sanitaire de 2020 montrent la difficulté de cet exercice quant à la fiabilité des chiffres présentés. Recommandation numéro 2. Joindre aux comptes administratifs les rapports que doivent produire les délégataires de services publics conformément aux dispositions de l'article R1411-8 du Code général des collectivités territoriales. Je ne vous énumère pas les textes. Donc l'idée, c'est que les rapports des délégataires de services publics soient systématiquement présentés aux comptes administratifs de sorte que la collectivité puisse en avoir un meilleur contrôle. La ville adresse en début d'année des courriers aux délégataires qui sollicitent leur rapport d'activité sur l'exercice précédent et dès réception, ces rapports sont naturellement analysés et présentés en commission consultative des services publics locaux puis au conseil municipal. Malgré les sollicitations des services de la ville, certains délégataires ont adressé tardivement leur rapport d'activité, ce qui, nous dit la Cour, ne permet pas toujours une présentation à la CCSPL et au conseil municipal avant la date prévue, donc fin juin normalement. Le principe de présentation des rapports d'activité à l'Assemblée délibérante, quant à lui, a été respecté et sera bien entendu toujours respecté. Recommandation numéro 3, mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements mise à jour à un rythme régulier. Donc la ville a recours désormais aux APCP, autorisation de programme et autorisation de crédit de paiement, pour les projets d'investissement les plus importants. Ces APCP permettent ainsi un suivi, non pas seulement sur un exercice, mais un suivi pluriannuel des projets en termes budgétaires et naturellement une meilleure information de l'Assemblée délibérante. Recommandation numéro 4, doter la commune d'un inventaire physique et comptable global en cohérence avec l'état de l'actif. Donc actuellement, la ville dispose de plusieurs inventaires. Dans le cadre d'une démarche de centralisation, la ville a fait l'acquisition d'un module d'inventaire pour son logiciel financier. Ce logiciel permet d'intégrer automatiquement à l'inventaire les biens acquis lors du mandatement. Donc, peu à peu, évidemment, il faut que ce logiciel soit complètement utilisé et qu'il fonctionne pour l'ensemble des acquisitions qui sont faites. En ce qui concerne la situation financière, donc on a plusieurs recommandations, notamment les recommandations 5 et 5 bis. Ces recommandations tendent notamment à respecter la durée annuelle du travail en supprimant, nous dit la Cour, les 4 demi-journées de congés supplémentaires, les congés pour médaille du travail et les congés de départ en retraite.
Les recommandations tendent également à mettre fin sans délai, nous dit la Cour malheureusement, au dispositif de versement de la prime de départ en retraite par l'intermédiaire du comité d'action sociale. Donc ces dispositions, il faut bien le voir, hein, constituent des acquis sociaux qui sont anciens, voire très anciens pour certains, hein, bien plus de 20 ans pour certains d'entre eux, et qui sont présents également dans d'autres collectivités territoriales. Donc les 4 demi-journées, vous les connaissez. Hein, donc on va voir comment on peut sans pénaliser nos employés, parce que le but, bien entendu, hein, ce n'est pas de revenir sur des acquis sociaux, hein, mais c'est tout simplement de permettre un respect de la loi, tout en ayant à l'idée la nécessité que les employés puissent avoir des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. Donc je tiens à les rassurer sur ce point, mais bien entendu, hein, nous mettrons en œuvre les recommandations de la Cour, il n'est pas question de demeurer dans le non-droit. La ville a pris acte, bien sûr, des recommandations. Hein. Un travail de concertation va être mis en place, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'idée, évidemment, c'est de travailler avec les partenaires sociaux afin que l'on puisse mettre en œuvre les recommandations, parce qu'on n'a pas le choix, hein, tout en ayant, évidemment, un dialogue social le plus fécond possible, hein, et pour permettre à ce que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse essayer de maintenir des éléments qui paraissent favorables aux salariés. On n'est pas là pour faire de la casse sociale, évidemment. Maintenant, on a des contraintes. On va essayer de voir avec les partenaires sociaux comment on peut au mieux satisfaire le respect de la loi et le bien-être au travail, les acquis qui ont pu être obtenus au fil des années. En ce qui concerne la gestion du stationnement payant sur le territoire communal, donc deux recommandations, les recommandations numéro 6 et numéro 7, qui tendent à obtenir de l'organisation d'une liaison meilleure avec le délégataire, la mise en place d'une série d'indicateurs mesurables, stables et fiables pour permettre d'analyser les écarts entre les objectifs qui sont assignés au délégataire et les résultats obtenus, et aussi, bien sûr, de contrôler la politique générale de stationnement payant, hein, telle qu'elle est prévue à l'article 2, deuxièmement, de la Convention. Il s'agit également de formaliser et de renforcer le contrôle de la commune sur le délégataire de la politique de stationnement. Donc c'est évidemment nécessaire, mais ça l'est aussi pour les autres délégataires de services publics, je tiens à le préciser. Donc des réunions de suivi trimestrielles avec les délégataires ont été mises en place. Elles visent à faire le point sur la gestion du service public de stationnement. Elles visent également à faire le point, bien entendu, sur les travaux à engager. Ces travaux et ces échanges visent évidemment à certaines améliorations, notamment la révision des systèmes d'accès, des parcs enclos, la remise en état de celle-ci, hein, parce qu'il y a souvent des barrières qui sont défaillantes, on a un certain nombre de problèmes d'éclairage, etc., etc. Et par ailleurs, pour répondre aux recommandations de la Chambre, hein, la nouvelle municipalité a décidé la création d'un poste dédié au contrôle et au suivi des délégations de services publics. Alors, c'est pas une création à proprement... Enfin, c'est une création de poste, oui, mais on n'a pas recruté un agent nouveau sur cet emploi. C'est tout simplement un agent qui était utilisé ailleurs et que l'on a basculé sur ce poste, qui est un poste très important, parce qu'il va nous permettre évidemment d'avoir un meilleur contrôle sur ces délégations de services publics. Il va permettre de faire que le service rendu aux usagers soit meilleur, d'une qualité supérieure et pour un coût plus limité pour la ville, parce qu'on sera beaucoup plus vigilant grâce à cette personne qui sera chargée de cette mission. Eh bien, on pourra s'assurer que un certain nombre d'errements qui ont pu être observés ne soient plus présents ou n'est plus court. Donc c'est quelque chose d'important et je tiens à le redire, c'est quelque chose qui se fait à coût zéro pour la commune, puisqu'on n'a pas recruté un nouvel agent, on a déplacé un agent sur ce poste qui a été mis en œuvre. S'agissant de la gestion des plages, recommandation numéro 8, il y a lieu de présenter chaque année aux représentants de l'État le rapport détaillé prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques. Donc l'État n'a sollicité ces rapports qu'à partir de 2018, date à laquelle la ville les a transmis sans souci. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication que je viens de faire. Il est
demander également de prendre acte du débat relatif, puisque on va donner la parole maintenant à la salle, hein, ceux qui souhaitent, enfin, conseiller plutôt à la salle, conseiller qui souhaite s'exprimer. Je vois que Monsieur Tivoli a levé la main. Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération n'appelle évidemment à aucun vote de notre part, mais simplement à signifier notre prise de connaissance des rapports d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Valoris de 2011 à aujourd'hui. Je tiens à rappeler que la Chambre des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public, d'en informer les citoyens et que c'est une juridiction qui est indépendante. Je souhaite recontextualiser, pardon, de 2011 à 2014, il s'agissait de la gestion de M. Gumiel, dont un certain nombre de conseillers municipaux ou adjoints sont maintenant dans votre majorité. Un seul. Non, je vous l'accorde. Pour être précis, un seul. Un seul, pour être précis. De 2014 à aujourd'hui, enfin, aux dernières élections municipales, pardon, il s'agissait de la municipalité de Mme Saluki, dont certains de ses conseillers municipaux sont aussi dans votre majorité. Deux. Sauf erreur de ma part. Qui avait démissionné de longue date. Sauf erreur de ma part, ces personnes avaient donc voté l'ensemble des budgets et des délibérations qui ont amené aux analyses et aux constats de la Chambre régionale des comptes que nous constatons aujourd'hui. Si vous m'autorisez juste une petite précision. J'aimerais bien. Je suis désolé, M. Tivoli, mais vous faites une petite erreur. Mais je tiens à la corriger. Ces personnes, donc les deux que M. Chalvin était dans la majorité de M. Gumiel, il y est resté jusqu'à la fin, effectivement. En revanche, les deux conseillers de la municipalité de Mme Saluki, à savoir le docteur Lourba et Mme Lanza, ont démissionné avant la fin et n'ont pas voté tout ce que vous dites. Ils ont voté au moins 4 budgets sur 5 ou 5 sur 6. Bon. Je rappelle par ailleurs que le budget que vous et votre majorité avez voté est sensiblement le même que celui de l'année dernière. Et je dois dire que le rapport de la Chambre des comptes est alarmant et en tout cas inquiétant, et que rien de positif ne ressort de ce constat. En tout cas, lorsque je lis le rapport de la Cour des comptes, et étant moi-même chef d'entreprise, je me demande quelles auraient été les sanctions qui auraient été émises à l'encontre d'un chef d'entreprise qui aurait géré d'une municipalité comme cela. En réalité, je crois réellement que sa responsabilité personnelle aurait été engagée. Le rapport est long, mais je vais citer que quelques passages. Je cite « L'ensemble des restes à réaliser en dépenses ne sont pas justifiés ». Pire, l'absence de rigueur dans la détermination des restes à réaliser rend le compte administratif insincère. Ce n'est pas moi qui le dis, mais encore la Chambre régionale des comptes. Sur l'état de la dette au compte administratif, ce n'est pas mieux. Il est dit par la Chambre des comptes régionales que les données sont erronées et diffèrent de celles indiquées dans le compte comptable. Hallucinant. Il est également indiqué que les indicateurs de la section investissement font apparaître d'importants écarts entre la programmation budgétaire initiale et les crédits ouverts en fin d'année, et cela de façon récurrente, et que ces écarts posent la question de la qualité d'information donnée au moment du vote du budget primitif, qui est pourtant un des moments les plus importants de notre démocratie municipale. C'est un gravissime constat de la Cour des comptes. Concernant le respect de mandatement des dépenses, là aussi, imaginons, si un chef d'entreprise faisait la même chose que ce qui a été fait dans les municipalités précédentes, il est indiqué que les délais de validation du service fait par les opérationnels ne font pas l'objet de suivi systématique, et la Cour des comptes demande donc à la commune d'améliorer le circuit de gestion des factures. La Cour des comptes, comme vous le disiez tout à l'heure, juge la situation de la commune dégradée jusqu'en 2014, avec une légère amélioration en 2015, et une nouvelle dégradation après 2015. Que de dégradation. La capacité de désendettement qui doit normalement constituer une priorité s'est encore dégradée en 2016 et en 2017. Je vous rappelle que votre budget administratif voté par votre majorité, je n'ai vu aucune mesure d'amélioration. Et si cela ne suffisait pas, la Cour des comptes, vous le disiez aussi tout à l'heure, pointe des attributions irrégulières, de congés pour un surcoût budgétaire de 166 000 euros. Comme disait un certain François Hollande, c'est pas grave, c'est l'État qui paye, on pourrait dire la même chose, c'est pas grave, c'est la municipalité qui paye, si cela ne prêtait pas à rire, parce que la municipalité, ce sont bien les Valoriens et les Golfe-Juanais qui en paient l'addition. Et pour ne pas finir en si bon chemin, puisqu'autant aller jusqu'au bout, il est déclaré sur ce rapport une absence de déclaration des logements attribués pour nécessité absolue de service,
quelle transparence peut être la municipalité des copains-copines ? Évidemment, la politique de stationnement de la commune, votée là encore à l'époque par certains membres de la majorité actuelle, est mise en cause et la Cour des comptes dit que le résultat conduit à s'interroger sur le pilotage de la politique de stationnement menée par la ville, d'autant que cela est encore mis en mal par un manque de suivi des délégations de services publics. Tranquillement, les élus de notre commune, sur les mandatures précédentes, ont laissé s'installer et ont alimenté un système qui aujourd'hui apparaît au grand jour après les élections. Bref, entre insincérité, manque de transparence, manque d'organisation, notre commune est aujourd'hui à l'agonie et ce ne sont pas les mesurettes prises lors du vote du précédent budget qui vont nous permettre de nous relever. Je crois que le conseil municipal doit prendre la mesure de la gravité de ce qui nous est exposé aujourd'hui, de ce qui nous attend et que nous devons agir rapidement. Je vous remercie. Alors, monsieur Tivoli, je vous remercie. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur la gravité de la situation actuelle. Mais au risque de vous décevoir, je vais vous dire, vous êtes peut-être surpris, je ne m'appelle ni Alain Gumiel, ni Michel Saluki. Je viens d'être élu, ça fait 3 mois. Je récupère une situation qui est celle qui a été présentée par la Chambre régionale des comptes. Donc je ne vois pas très bien comment on pourrait me rendre comptable d'une situation à laquelle je n'ai pas participé. Donc je suis un peu surpris. Et sur le budget, alors là, vous me permettrez quand même une petite remarque que je vous avais déjà faite, puisque vous m'aviez interpellé le jour du vote de ce budget, et je vous refais la même. Monsieur Tivoli, de quelle marge de manœuvre vous pensez qu'on dispose lorsqu'on vote un budget fin juillet qui a déjà été exécuté à plus qu'aux 2/3 ? De quelle marge de manœuvre vous pensez que l'on dispose lorsqu'on vote un budget qui a déjà été exécuté ? Que l'on aime son prédécesseur ou pas, que l'on ait des membres de sa majorité dans son équipe ou pas, on est bien obligé de tenir compte des dépenses qui ont déjà été engagées, hein, puisque ces dépenses ont été payées pour la plupart, ou alors on a des engagements. Est-ce que vous pensez que le maire qui arrive peut décider unilatéralement de remettre en cause les engagements juridiques qui ont été pris ? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez dit tout à l'heure que si le chef d'entreprise se livrait à certaines choses qui sont dans le rapport, il aurait des soucis. Ben moi, je vous dis, si vous êtes chef d'entreprise, faites bien attention, parce que si vous remettez en cause les contrats qui ont été signés précédemment ou les engagements qui ont été pris, vous risquez aussi d'engager votre responsabilité vis-à-vis des personnes, entreprises ou pas. Et naturellement, étant donné que je récupère la gestion, nous récupérons la gestion de la commune, que l'on apprécie ou pas cette gestion, hein, il y a une transmission qui se fait, on prend l'actif, on prend le bon, on prend le moins bon, et on doit évidemment faire avec. Donc je puis comprendre que vous critiquiez l'action de mes prédécesseurs, hein, on peut remonter peut-être jusqu'à Pépin le Bref, hein, il y a peut-être des choses qui ne vont pas... Même plus loin. Jusqu'à, ou sans doute ou plus loin. Sans doute. Mais je suis un peu surpris de vous voir me mettre sur le dos la gestion de 2011 à 2019 de la ville, alors même que je n'ai été élu que le 4 juillet 2020 et que le rapport de la Chambre régionale des comptes s'arrête en 2018. À aucun moment je n'ai mis en cause votre responsabilité là-dedans. Pardonnez-moi, j'ai mis alors en cause j'avais mal compris, excusez-moi. J'ai mis en cause la constitution de votre équipe et de certains membres de votre équipe qui avaient voté ces budgets, qui l'ont accepté. À aucun moment je n'ai dit que vous n'avez dirigé la ville auparavant, ce qui ne serait pas vrai, ce qui ne serait pas logique ni honnête. Après moi je pense, et je peux me tromper, mais je pense que les personnes qui composent ma majorité sont des personnes de très grande qualité. Et je suis convaincu, sinon je ne les aurais pas prises, que ces personnes vont travailler très efficacement pour la ville. Voilà. Ce qui n'empêche pas libre à vous voter de penser les autrement, peu importe. Hein, bon, de toute façon, ce sont les électeurs qui décideront, puisqu'en démocratie, le mot de la fin revient toujours à l'électeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations ? Monsieur Manago ? Oui, merci, monsieur le président. Effectivement, je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord entre vous, mais vous avez fait la lecture du même rapport, des mêmes observations définitives de la Chambre régionale des comptes. J'ai fait également ma lecture et j'aurais aimé, disons, modestement apporter quelques éclairages sur cette lecture-là. Faites donc. Je vois que vous levez les yeux au ciel déjà. Notamment en page 3, ce rapport-là de la Chambre des comptes atteste de la qualité de l'information financière et de la fiabilité des comptes de la ville depuis 2015. Alors il est vrai qu'il y a quand même une complexité de lecture dans ce rapport et dans ces observations définitives, parce qu'en fait il y a toujours une double lecture. Il y a la lecture qui est jointive à 2014, avant et après. Donc ça donne une lecture un peu compliquée parfois, il faut avoir cela en tête en permanence. Cela dit, je poursuis si vous voulez bien.
Il y a eu quand même un certain nombre d'effets d'annonce sur la mauvaise gestion du mandat précédent. Faut-il encore avoir en tête l'héritage qui était celui de 2014 au moment de la transition de municipalité. De la célèbre liste à laquelle vous apparteniez, oui, puisqu'en 2014, vous étiez à nouveau candidat sur la liste de l'ancien maire. Je me doutais bien que vous alliez encore me poser cette question. Dont j'ai oublié le nom, mais je pense que vous le connaissez, puisque vous étiez son colistier à l'époque. Oui, tout à fait. Non élu, mais colistier. Et cela, j'apporterai une réponse juste à la fin, si vous me laissez poursuivre. Pas une critique que je vous fais, c'est simplement un petit rappel historique qui permet d'éclairer. C'est très bien que ce n'est pas une critique, c'est sûr. Je n'oserais pas. La Chambre souligne en page 5 que la situation financière dégradée jusqu'en 2014, et là la lecture est compliquée, s'est améliorée à partir de 2015 en raison d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en précisant que la municipalité, compte tenu de son paysage social, les mesures fiscales, autrement dit le niveau d'imposition que nous avons tous, est resté mesuré, vous le précisiez dans votre propre tout à résumé. Fait. Depuis la sécurisation des emprunts saturés en 2016, qui ont pénalisé la ville de plusieurs millions, et malgré la baisse des dotations de l'État, tout en poursuivant une politique d'investissement et d'entretien, la ville montre très clairement une tendance au désendettement depuis 2014. En 2018, donc on fait un bond sur le calendrier, la ville s'est encore désendettée de plus de 2 millions d'euros, portant son encours à 45 millions, hors les surcoûts liés à la sécurisation dont le mandat précédent a hérité, de M. Gumiel. En page 6, les charges de gestion de la commune ont diminué régulièrement depuis 2014, tout en maintenant la qualité de service public, c'est le rapport qui le dit. En matière de stationnement, vaste sujet bien entendu, en page 7, la Chambre note qu'en 2019, les résultats sont en progression et en lien avec la hausse de la fréquentation touristique grâce à l'amélioration progressive de l'image de la ville. La Chambre se félicite donc de voir que toutes ces préconisations de gestion ont été suivies par la commune sur la période contrôlée. Ce qui est un bon point, et vous l'avez également souligné, je crois, Monsieur Luciano. Tout à fait. Et là, si, puisque vous m'avez encore opposé le fait d'être colistier de Monsieur Gumiel, je dirais tout simplement, il y a 6 ans, que tout comme plusieurs conseillers présents ce soir, cela ne mérite vraiment pas de s'y attarder. Mais la raison est très simple, et vous la comprendrez. J'ai choisi tout simplement de préserver mes privilèges d'homme libre, républicain, œuvrant pour l'intérêt commun. Merci. Très bien. Madame Le Duc. Merci, monsieur le maire. Alors, au sein du groupe Ensemble pour Valoriser Golfe Juan, nous souhaitons également apporter notre pierre à l'édifice et commenter de façon concise et factuelle ce rapport de la Cour régionale des comptes. Et je passerai ensuite la parole à mon collègue pour continuer sur le sujet. Alors, rappelons que ce rapport a été publié le 26 novembre 2019 et qu'il couvre la période de 2011 à 2017, soit 2 mandatures, dont aucune des 2 en totalité. Il manque les 2 dernières années du précédent mandat pour offrir la vision la plus complète possible. Un petit historique s'impose. En 2013, la capacité d'autofinancement de la ville devient négative, avant de sombrer en 2014 à moins de 2 150 000 euros, suite à des dépenses imprévues. Valoris Golfe Juan est alors placé en réseau d'alerte. Ce placement en réseau d'alerte aurait dû appeler des mesures fortes pour désendetter la ville et restaurer la capacité d'autofinancement. Or, les conclusions du rapport sont claires et nous pourrions les résumer ainsi. À partir de 2014, l'hémorragie a été stoppée, mais les finances ont simplement été stabilisées dans le rouge. En résulte, une très faible marge d'investissement pour la commune et un encours de la dette qui reste très élevé, 54 millions d'euros fin 2016, quand il était de 47 millions fin 2011. Malgré la hausse des impôts en 2015 pour stopper cette hémorragie, la situation s'est par la suite dégradée. En vue d'équilibrer les comptes et de désendetter la ville, la Cour régionale des comptes préconise d'engager des actions structurelles, vous l'avez dit, sur les dépenses de personnel, d'optimiser la gestion patrimoniale et d'ouvrir une réflexion sur le développement des recettes, notamment en exerçant un contrôle plus vigilant de ses délégataires. Dans le cadre de ce rapport, elle met d'ailleurs en lumière des dysfonctionnements. Pour certains, elle préconise de les corriger sans délai. Elle relève notamment des dysfonctionnements au niveau de la gestion du personnel, une absence d'inventaire physique et comptable global de l'actif, un contrôle insuffisant des délégations de services publics, parking et concession des plages, et le non-respect de plusieurs règles de présentation des documents budgétaires, rapport d'orientation budgétaire et du compte administratif. Pour terminer sur une note un petit peu plus positive,
Nous saluons l'initiative de la Cour régionale des comptes de consacrer prochainement un rapport à part entière à la gestion du port Camille-Rayon, puisqu'elle répond ici favorablement à Jean-Noël Falcou, qui l'avait alerté à ce sujet à deux reprises. Je passe la parole à Monsieur Chartier, mon collègue, pour la suite. Monsieur Chartier. Mesdames et messieurs, je souhaite intervenir rapidement sur trois points. D'abord, concernant la publication de ce rapport et l'audit promis qui se situe sur un terrain similaire, il est bien dommage que ce rapport n'ait pas été rendu public plus tôt, puisqu'il a été publié le 26 novembre 2019. Il confirme ce que nous avons dit pendant tout le mandat précédent et que nous avons défendu à chaque débat d'orientation budgétaire, la nécessité d'une politique progressive de désendettement de la commune, qui demande une grande rigueur dans les choix qui sont faits en matière d'investissement, de dépenses et de recettes, et une meilleure gestion des sous-traitants. Deuxième point, le personnel municipal. La masse salariale de Vallauris-Golfe-Juan est plus importante que dans les villes de même taille, quelque 65% du budget, je crois. Nous demandons donc, Monsieur Luciano, de porter une attention particulière au suivi et à la formation des agents, afin de leur permettre d'évoluer et de répondre aux nouveaux besoins de la collectivité sans augmenter les effectifs. Nous déplorons l'absence d'un adjoint dédié à cette problématique et posons la question: que prévoyez-vous en matière d'évolution du nombre d'employés municipaux et de gestion du personnel? C'est terminé. Bon, je peux donner mon troisième point. Je pensais que vous me posiez la question, mais je vous en prie. Terminé. Je vous la pose et vous pouvez répondre tout de suite ou tout à l'heure. Comme vous préférez. Je continue. Troisième et dernier point sur le budget et la fiscalité. Le rapport précise que les mesures prises étant insuffisantes, d'autres efforts seront à faire. Nous sommes opposés à l'augmentation des impôts locaux. Une meilleure gestion des dépenses de fonctionnement des sous-traitants, une bonne exploitation des actifs de la ville, une politique d'investissement prenant en compte le poids des emprunts et des amortissements sur le budget, mais également les recettes, tout cela offre des marges de manœuvre. Donc la première question, c'est: est-ce que vous comptez augmenter les impôts? Alors, première question, je peux y répondre ou elle va avec l'autre? J'en ai une troisième par la suite, si vous voulez, je vous la donne, et puis comme ça, vous répondrez en bloc. Je vais peut-être les noter, parce que sinon, je les oublierai. Je vous les rappellerai, si vous voulez. Volontiers, merci. Vos engagements de campagne, dont le financement n'a pas été explicité, représentent pour la commune de nouvelles dépenses très élevées, nouveaux services, halles couvertes, déplacement de certaines structures, réhabilitation ou valorisation de plusieurs sites, etc. A l'inverse, depuis 2014, la commune est parvenue à faire des économies sur les dépenses relatives aux prestations de services de nettoyage de la voirie et d'entretien des espaces verts. Mais au détriment peut-être d'une certaine qualité que d'aucuns ont pu constater. Ma deuxième question, troisième question et dernière, c'est: allez-vous respecter tous vos engagements de campagne? Alors, Monsieur Chartier, pour répondre, alors d'abord une observation sur ce qui a été dit à la fois par Madame Le Duc et par vous-même. Je me réjouis que nous partagions grand nombre des observations que vous avez faites sur la nécessité notamment de stabiliser les finances publiques, sur la nécessité d'avoir un meilleur contrôle des délégations de services publics, sur la nécessité de maintenir la fiscalité la plus basse possible, sur la nécessité d'avoir une gestion efficace de notre personnel municipal, etc. etc. Alors, pour être un peu plus précis, je vais essayer de satisfaire votre sagacité sur les questions que vous posez. Premièrement, est-ce que je compte augmenter les impôts? Non, bien sûr, je ne souhaite pas augmenter les impôts. Je pense qu'aucun maire ou élu ne souhaite les augmenter. Il n'est pas prévu de les augmenter. Maintenant, vous n'ignorez nullement que la situation financière est particulièrement grave, que l'épidémie de Covid a justifié et justifie encore un certain nombre de dépenses importantes, voire très importantes, que par ailleurs, il y a des rentrées qui sont bien moindres que celles que l'on souhaitait, que celles que l'on pouvait prévoir il y a encore quelques mois, voire même quelques semaines. Et par conséquent, eh bien, je ne serais pas assez prudent si je vous disais, ou je pourrais manquer éventuellement à ma parole, si je vous disais, je vous jure, la main sur le cœur, qu'il n'y aura jamais d'augmentation d'impôts. Donc mon but, c'est de ne pas les augmenter. Maintenant, nous ferons le point lorsque nous allons préparer le budget, et nous verrons s'il est éminemment nécessaire de faire une petite augmentation, nous la ferons. Si ce n'est pas nécessaire et si nous pouvons l'éviter, évidemment, nous éviterons d'augmenter les impôts. Voilà, je vous ai répondu avec une très grande sincérité. J'aurais pu être moins honnête,
en vous disant, c'est sûr, on ne le fera pas comme beaucoup ont fait, et de le faire peut-être après. Moi, je vous dis, on va voir. Évidemment, l'objectif, c'est de ne pas le faire. Si d'aventure, c'était absolument nécessaire, eh bien, nous avons un devoir de responsabilité, nous le ferions. Voilà, de manière très ponctuelle, très limitée, le cas échéant. Donc, j'ai répondu à votre première question. Votre deuxième question, je crois, portait sur la gestion du personnel. Donc, cette gestion du personnel, je n'ai pas souhaité déléguer le personnel à un adjoint. J'ai souhaité conserver cette compétence, non pas par manque de confiance vis-à-vis de mes élus, mais parce que de toute façon, on sait très bien que les soucis de personnel se gèrent par le chef de service, par le DRH et le cas échéant, parce que ça va remonter au maire ou le maire va avoir quelque part le dernier mot sur ce sujet. Eh bien, je prends mes responsabilités, je les assume, c'est moi qui ai en charge la gestion du personnel. Et comme ça, eh bien, je rends des comptes directement à la collectivité et je ne peux pas mettre en cause pour tel ou tel problème, tel élu, comme certains l'ont fait par le passé. Donc c'est moi qui assume, c'est moi qui prends les décisions en matière de personnel de façon concertée, dans le respect évidemment toujours du dialogue social et de ce qui peut être fait de mieux pour notre personnel, qu'il soit dans des conditions d'épanouissement et des conditions de travail qui sont les meilleures possibles. Vous m'avez aussi posé une question donc sur les effectifs. Évidemment, il ne s'agit pas d'augmenter les effectifs, et peut-être même, s'il y a moyen de mutualiser certains services, s'il y a moyen, sans baisser la qualité du service rendu aux usagers, eh bien, je n'exclus pas que nous réduisions peut-être un peu le personnel. Pourquoi pas, ça peut être un levier pour faire des économies, c'est en tout cas le levier principal que soulève la Chambre régionale des comptes. Donc ce n'est pas un gros mot pour moi. Je ne m'interdis pas de le faire. Si c'est possible, sans nuire à la qualité du service et aux conditions de travail des personnels, nous réduirons le personnel. C'est ce qu'a fait David Lisnard à Cannes, ça a très bien marché. Dans d'autres communes, ce n'est pas forcément possible. Je crois qu'il faut être pragmatique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis empli de grands poncifs philosophico-politiques sur lesquels il faudrait absolument aller, en disant on réduit à tout prix ou on augmente à tout prix. Je pense qu'il faut vraiment avoir une approche qui soit la plus fine et la plus précise possible pour maîtriser les dépenses publiques, pour rendre les services les meilleurs possibles à nos concitoyens et bien entendu, et je le dis très clairement, sans nuire à la qualité de travail, aux conditions de travail de nos employés. Donc j'ai répondu là aussi. Vous avez parlé à très juste titre, et là je vous suis à 100%, sur le contrôle des délégations de services publics. Effectivement, le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe que cela n'a pas été fait suffisamment par le passé. Et c'est pour cela que, je le disais tout à l'heure, nous avons affecté un agent qui est dédié à temps complet au suivi de ces délégations de services publics, parce qu'il y a évidemment un levier financier. On va pouvoir réaliser des économies tout en améliorant la qualité du service. Et il y a aussi, bien entendu, une question de contrôle. Je pense que par le passé, les délégataires, je ne vais pas les citer, mais certains, ont pris trop de liberté, peut-être parce qu'on leur a laissé, mais en tout cas, ils ont pris trop de liberté et ils ne rendent pas le meilleur service possible aux usagers et les conditions contractuelles ne sont pas les plus favorables pour la commune. Donc, on va être très vigilants. C'est pour cela que tout de suite, dès l'élection, en concertation avec ce qu'on avait réfléchi dans le cadre de notre majorité, on a souhaité mettre en place ce poste. On l'a déjà fait, la personne est déjà au travail et je suis certain que ce travail va bientôt porter ses fruits pour qu'on ait toujours un meilleur service qui soit rendu à nos concitoyens et en même temps, évidemment, qu'on puisse réaliser des économies parce que, comme vous le dites, Monsieur Chartier, je partage votre point de vue, c'est un levier où on peut véritablement dégager des marges de manœuvre financières. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes vos questions, à moins que j'en oublie peut-être. Dernière question qui venait de la dernière partie de mon intervention, c'est du coup, allez-vous respecter tous vos engagements de campagne ? Alors évidemment, je vais réaliser mes engagements de campagne, bien entendu. Maintenant, les engagements de campagne, ils sont sur 6 ans, ils sont sur un mandat. Je serais complètement utopiste si je vous disais demain, nous allons, ou l'année prochaine, ou dans 2 ans, nous aurons réalisé tous nos engagements. Dans la mesure du possible, sur la durée du mandat, tout ce qui a été dit sera fait de la meilleure façon possible. Alors vous pointez, pas refaire l'élection, elle a été faite et nos concitoyens ont tranché. Je souhaite simplement dire une chose, effectivement, certains investissements ont un coût.
Maintenant, le coût, ce n'est pas forcément à la collectivité seule de le supporter. On a également des leviers financiers au niveau de la CASA, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'État. Leviers financiers qui n'ont pas toujours été mis en œuvre, hein, mais qu'on peut faire avec beaucoup plus de travail, notamment eh bien, avoir dans le personnel, il y a des gens qui vont réfléchir aussi donc, au contrôle des délégations de services publics, mais qui vont également réfléchir à la façon dont on peut obtenir des subventions pour certains projets, notamment des équipements structurants. Je souhaite parler du projet Action Cœur de Ville, hein, qui est un levier financier extrêmement important. J'ai déjà eu plusieurs rendez-vous avec Madame la sous-préfète à ce sujet, et l'État est prêt à nous suivre sur certains projets. On est en train de réfléchir à de nouveaux projets qui nous paraissent plus opportuns pour redynamiser le centre-ville, pour venir dans le cadre de l'OPA-RU à la réhabilitation du logement, notamment du logement insalubre, hein, pour pouvoir entre autres satisfaire à nos exigences en termes de logements sociaux sans avoir besoin de bétonner davantage. Donc on travaille sur tous ces points-là, mais ces points-là ne nécessitent pas nécessairement de la dépense, ou en tout cas une dépense pharaonique. On va pouvoir utiliser tous ces leviers dont j'ai parlé, hein, les financements de l'État, de la région, de la CASA, du département, éventuellement même hein, de l'Union européenne, qui sur certains projets est susceptible d'abonder des fonds. Voilà, donc évidemment, hein, pour résumer très, très simplement, bien entendu, hein, je serais indigne en tant qu'élu si je vous disais nos engagements de campagne, on les oublie, maintenant on est élu, on fait autre chose. Pas du tout. Hein. Il est évident que notre feuille de route demeure le programme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les électeurs nous ont élus sur la base de ce programme et que par conséquent, eh bien, il est légitime que nous respections notre parole, notre engagement. Et je me fais fort de respecter tous ces engagements. Alors, il faut y avoir un petit détail qui ne sera pas fait ou quelque chose qui se fera, qui sera commencé, qui ne sera pas fini sur le mandat, évidemment. Mais une chose est sûre, hein, c'est que nous ferons tout pour tenir nos engagements. Très bien. Donc, merci, monsieur le. Donc, sur vos deux dernières réponses, c'est des réponses très claires. Vous respecterez tous vos engagements de campagne. Vous n'augmenterez pas le nombre d'employés municipaux. En ce qui concerne la première réponse, je suis normand d'origine. Je sais reconnaître une réponse de normand quand j'en entends une. Donc, ce que j'ai noté, c'est que vous vous laissez la possibilité d'augmenter les impôts. Je me laisse la possibilité, comme n'importe quel élu responsable aujourd'hui qui ne veut pas prendre des engagements qu'il ne peut pas tenir, hein, de voir en fonction des circonstances ce qui est nécessaire ou ce qui n'est pas nécessaire. Tout simplement. Alors, vous pouvez qualifier ça de réponse de normand. On peut parler de réponse de valorien si vous voulez, peu importe. Hein, de toute façon, voilà, c'est une réponse qui est quand même assez claire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Non ? C'est bon ? Donc, après avoir eu communication du rapport, après avoir entendu le débat relatif à ce rapport d'observation définitive, je vous demande, hein, conseil municipal, de prendre acte de cette communication et de prendre acte du débat qui a été relatif à ce rapport qui s'oppose. Non, tout le monde est d'accord, donc la prise d'acte est validée. Quatrième délibération, donc délibération relative au tarif de la taxe sur la publicité extérieure, et je donne la parole à Madame l'adjointe aux finances. Alors, ordre du jour numéro 4, tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable sur 2021. Par délibération en date du 11 mai 2011, le Conseil municipal a adopté le principe de mise en œuvre de la TLPE. L'article L2333-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit une indexation annuelle automatique sur l'inflation de l'ensemble des tarifs, que vous trouverez un peu plus bas. Le taux de variation pour l'année 2021, prévu au 1 du B de l'article L2333-9 du CGCT, est de plus 1,5% par rapport à 2020, en application du taux de croissance IPC N-2. L'ordonnance numéro 2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, a reporté du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020 la date limite pour délibérer sur les tarifs applicables sur 2021. C'est pourquoi nous faisons la délibération ce jour. Je rends donc la parole à Monsieur le maire concernant la revalorisation des tarifs.
Alors, en fonction de ce qui vous a été indiqué par Madame l'adjointe aux finances, je propose au conseil municipal de fixer les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure ainsi que cela vous a été exposé. Et je vous propose d'accepter que nous indiquions que les recettes correspondantes seront versées au budget communal 2021, à moins qu'il y ait des observations. Monsieur Manago, je vous en prie. Oui, merci de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, quelques observations de notre côté. Tous les commerces souffrent du contexte qui leur est imposé. Vous avez fait un préambule, Monsieur Luciano, en début de ce conseil, à ce propos. Ils n'en sont ni responsables ni coupables, mais bien victimes d'une situation mondiale qui anéantit notre économie, nos emplois et notre échelle sociale. Toutes les entreprises peinent à relancer leurs activités. Fort probablement, l'année 2021 sera identique et sinon plus compliquée que cette année en cours, faute de ne trouver de solutions sanitaires acceptables autres que les mesures restrictives actuelles et les gestes barrières. Le redressement des entreprises et des commerces qui résisteront le mieux prendra inévitablement plusieurs années. C'est pas moi qui le dis, ce sont les compagnies d'assurance et les différents analystes financiers qui couvrent notre planète. Comme je le rappelais, les commerces et les entreprises sont nos emplois et notre économie tournante. Nous ne sommes pas favorables à une quelconque hausse de la taxe locale sur la publicité extérieure, minime soit-elle, et cela par le principe simple de la solidarité collective, fût-elle symbolique. À ce propos, j'aimerais poser une question à Madame Lanza, qui est en charge du commerce. Quel plan d'action préparez-vous ou prévoyez-vous pour aider ou accompagner nos entreprises, nos commerces et maintenir notre économie dans les semaines et les mois à venir? Alors, Monsieur Manago, il ne me semble pas que la hausse des tarifs de la taxe locale sur la publicité soit susceptible de donner lieu à une revue de l'ensemble de la politique communale en matière de commerce. Et donc, je vous invite à formuler vos questions sur un prochain conseil municipal. Je vous remercie. Ce sera Sinon, fait, merci. Nous serons là jusqu'à 3 heures du matin. Et je pense que ce ne serait pas utile pour les personnes qui nous suivent. Je pense que ce n'est pas très intéressant que le débat s'éternise aussi longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Alors, je vais juste en faire une. Hein. L'article L2333-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit, pas moi qui le dis, que l'indexation est automatique de la publicité. Hein, donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on souhaite mettre en œuvre. Hein, c'est tout simplement l'application de la loi hein, telle qu'elle est visée par le CGCT. Alors, est-ce que le Conseil est d'accord pour fixer les tarifs comme cela vous a été indiqué? Et est-ce que vous êtes d'accord pour indiquer également que les recettes correspondantes seront versées au budget communal? Qui s'oppose? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. Ordre du jour numéro 5. Là encore, je donne la parole à Madame l'adjointe aux finances. Forfait post-stationnement. L'article R2333-120-18 du CGCT, créé par l'article 1 du décret numéro 2015-557 du 20 mai 2015, relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie, prévoit en son alinéa 4 la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signe une convention avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de poste de stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire. Dans le cadre de la politique relative au stationnement sur le territoire communal, la commune de Valoris-Golfe-Jouan a institué au 1er janvier 2018 la redevance de stationnement sur son territoire. La CASA est quant à elle compétente en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire, mais n'exerce pas l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parc et aire de stationnement et pour la totalité des voies de la voirie. Une première convention relative au forfait post-stationnement a été signée en date du 25 juillet 2019. Aussi, conformément aux dispositions précitées, un projet de convention, dont vous avez le détail en annexe, doit fixer le principe et, le cas échéant, préciser les modalités de reversement d'une partie des recettes issues des forfaits de post-stationnement institués par la commune de Valoris-Golfe-Jouan pour l'exercice 2020. Pour la deuxième année consécutive, et dans le cadre du principe d'une bonne administration, cette convention formalise le principe d'un reversement nul de la commune
ayant institué le FPS à la CASA pour l'exercice 2020. En effet, les dépenses prévisionnelles pour la gestion des FPS sont supérieures aux recettes prévisionnelles. Vous avez également le tableau choix en annexe. Je rends la parole à Monsieur le maire. Alors évidemment, une délibération intéressante pour nous, hein, alors qu'on pourrait être amené à reverser une partie du forfait post-stationnement à la CASA. Nous conservons, en application de la convention qui est soumise à votre approbation, nous conservons hein, l'intégralité du forfait post-stationnement. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le principe de reversement nul à la CASA pour l'exercice 2020, d'approuver le projet de convention relatif au reversement des recettes issues de ce forfait post-stationnement pour l'exercice 2020 et de m'autoriser à signer la convention relative au reversement des recettes issues des forfaits post-stationnement pour l'exercice 2020. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame Cantoni ? Vous voulez juste intervenir, en fait ? Oui. Avec les chiffres de la Chambre régionale des comptes et du bilan apporté par cette délibération, on voit que la politique en matière de stationnement pèse sur la commune car les agents ASVP sont à la charge de la commune et que les comptes donc ne sont pas équilibrés. On voit bien une différence ici entre les recettes de 60 000 euros et les dépenses qui sont à 131 025 euros. La question est simple, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Que comptez-vous faire pour y remédier ? Alors nous sommes bien d'accord sur le caractère inopportun de certaines des stipulations de cette convention. Hein. Je pense que là-dessus, plus ou moins tout le monde est d'accord. J'avais dit pendant la campagne, et c'est un engagement qui sera tenu hein, pour assurer M. Chartier peut-être et d'autres qui ont légitimement qui peuvent se poser la question, ce n'est pas une critique. Ce que nous souhaitons toujours faire, c'est faire procéder à une analyse particulièrement fine de ce contrat pour voir dans quelle mesure on peut le remettre en cause et où, si on n'a pas la possibilité, de corriger hein, tout un tas de dysfonctionnements qui sont dedans. Donc je n'ai pas perdu de vue cet objectif, il sera mis en application comme cela a été dit. Voilà, je réponds, je pense, à votre question, en tout cas j'espère. En fait, c'est juste parce que c'est la commune qui est en charge des quatre agents ASVP, en fait. Et c'est pas au niveau forcément du contrat. Il y a un problème de contrat global. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais est-ce que vous pensez que, dans ce cas-là, Indigo va reprendre la charge des agents ASVP ? Enfin, voilà. Je vous réponds. Si on remet en cause en totalité le contrat, c'est une chose. Si on corrige certains aspects du contrat, c'est une autre chose. Et si on continuait exactement dans la même façon, ce serait encore une autre chose. Donc tout ça, ça implique non pas une approche sur un point ou deux points ou trois points de ce contrat. Je pense que ce contrat, il est d'une importance telle qu'il y a lieu de s'y intéresser dans sa globalité pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on avait dit. Donc soit, entre guillemets, de s'en débarrasser complètement, soit si on ne peut pas, s'il s'avérait que c'était trop coûteux ou trop difficile, de l'amender de façon importante en fonction toujours des bénéfices et des coûts qui sont attendus dans cette opération. Parce que là, malheureusement, Indigo dit que forcément la faute est à la commune, en fait, mais à ce niveau-là. Si on reprend ce contrat et qu'on travaille globalement, il ne s'agit pas de savoir s'il y a une faute à tel endroit ou à tel endroit. Il s'agit d'arbitrer hein, sur l'existence même du contrat. Donc là, on ne se pose plus la question de savoir s'il y a une faute de la commune sur 3 ASVP, 4 ou 5. Mais il s'agit de l'existence même, de la poursuite de ce contrat, oui. Voire même d'un anéantissement avec effet rétroactif, donc de sa disparition sur les années passées. Bon, ça paraît compliqué, mais voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder ce contrat d'une façon aussi pointilleuse que cela. Il faut l'envisager dans sa globalité. Vous savez que l'analyse juridique des contrats envisage très souvent les contrats comme un tout, avec un certain nombre de clauses qui ne sont pas modifiables, donc c'est tout ou rien. Donc on va envisager le contrat globalement, je le redis, c'est pas pour éluder votre question, c'est tout simplement parce qu'il y a une vraie question d'ensemble qui se pose. Après, sur le forfait post-stationnement, sur la délibération que nous avons aujourd'hui, alors, bon, la question est en lien, je dis pas le contraire, mais maintenant c'est pas sur ça qu'on va statuer. La seule question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si on est d'accord pour ne pas reverser à la CASA quoi que ce soit. C'est ce qui est proposé dans la délibération. En l'occurrence, c'est une délibération qui est intéressante pour les finances communales.
et je vous invite chacun, hein, dans le respect de votre conscience, mais à voter. Des questions ? Non ? Alors, qui approuve le principe de reversement nul ? Le principe de projet de convention qui est annexé et qui autorise le maire à signer la convention. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent ? Personne ne s'oppose. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Donc des personnes s'abstiennent. C'est étonnant qu'on s'abstienne sur une délibération aussi intéressante pour les finances communales, mais pourquoi pas ? Donc la délibération est approuvée. Alors, délibération numéro 6, là encore, la parole est à Madame l'adjointe aux finances. Alors, fixation du mode et de la durée d'amortissement des immobilisations. Conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du CGCT, pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme immobilisation tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité. Leur valeur reflète donc la richesse de la collectivité. Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2. L'amortissement, quant à lui, est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Afin de constater cet amortissement en fin d'exercice, des écritures budgétaires sont passées sous forme d'opérations d'ordre. Elles ne donnent pas lieu à un décaissement immédiat et permettent un prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement. La ville de Vallauris-Golfe-Juan a délibéré le 7 août 2002 sur les modes et durées d'amortissement des immobilisations. Il convient aujourd'hui d'actualiser cette délibération. Il est proposé de regrouper les modalités d'amortissement pour le budget de la ville selon le tableau qui est joint en annexe, sachant que cette délibération sera effective à compter du 1er janvier 2021. De plus, les durées ont été toutes validées par le trésorier. Je rends la parole à Monsieur le maire. Merci Madame l'adjointe aux finances. Donc une délibération qui est une délibération purement de technique comptable, hein, sur les amortissements. Il est proposé par le biais de cette délibération donc d'adopter pour les catégories de biens ou les biens renouvelables qui ont été acquis à compter du à compter du 1er janvier 2021, les durées d'amortissement et le mode d'amortissement détaillés dans l'annexe au présent rapport. Il est proposé d'autoriser l'amortissement sur une année des biens d'un montant inférieur à 350 euros. Et il est proposé enfin d'approuver l'application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette comptable pour la sortie des biens acquis par lot. Sur cette délibération, sur ces trois points, donc qui veut formuler des observations ? Personne. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, donc le rapport annuel d'exercice de Sophie Antipolis Habitat, et je donne la parole à Madame l'adjointe aux affaires sociales. Ordre du jour, rapport annuel exercice 2019, Sophia Antipolis Habitat. Présentation. Vu l'article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Vu la délibération DE-1710-0002 en date du 13 octobre 2017, autorisant le conseil municipal de Vallauris-Golfe-Juan a approuvé un traité de fusion entre la Semival et la SACEMA, devenue Sophia Antipolis Habitat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
vu le rapport annuel des représentants au conseil d'administration de Sophia Antipolis Habitat au titre de l'exercice 2019. Considérant que la ville de Vallauris-Golfe-Juan est actionnaire de Sophia Antipolis Habitat et qu'à ce titre, le rapport annuel de l'exercice 2019 de la SAH doit être présenté au conseil municipal. Du rapport joint en annexe, il est possible de noter au titre de l'exercice 2019 les éléments suivants. Actionnariat. Le capital de Sophia Antipolis Habitat est de 396 849,79 euros divisé en 26 031 actions, identique à 2018. La société est composée de 24 actionnaires, le principal étant la ville d'Antibes, avec 55,30% du capital. Vallauris-Golfe-Juan est actionnaire à hauteur de 11,4% et dispose d'un représentant au conseil d'administration. Le résultat de l'exercice 2019. Le résultat de Sophia Antipolis Habitat au titre de 2019 est bénéficiaire à hauteur de 927 K euros. Il était de 985 K euros en 2018. Cette évolution s'explique notamment par une baisse importante de la reprise de provisions, notamment sur le gros entretien par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires est de 10 120 K euros en 2019. Il était de 9 841 K euros en 2018. La différence provenant de la hausse des loyers logements. Ce chiffre d'affaires est composé à hauteur de 8 514 K euros de la hausse des loyers logements. Ce chiffre d'affaires est composé à hauteur de 8 514 K euros de loyers et de 1 518 K euros de provisions pour charges. Le solde provenant de cessions d'actifs et de remboursements de travaux. Le taux de recouvrement des loyers était de 98,68% en 2019. La dette financière est de 105 729 K euros au 31-12-2019. Le patrimoine locatif. Au 31-12-2018, le patrimoine est constitué de 1 723 logements et 45 locaux. Logements PLUS, PLAI, PLS, 1 597. Foyer jeunes travailleurs, 39 logements. Foyer logement d'urgence, 16. Résidence sociale, 61 logements. Commerces locaux divers, 45 locaux. L'actif immobilisé est de 161 617 K euros au 31-12-2019. 150 355 K euros au 31-12-2018. La SAH a livré en 2019 4 opérations, totalisant 88 logements. 4 Gambetta à Vallauris, 2 logements, 1 PLUS, 1 PLAI. Les terrasses à Le Fia à Antibes, 20 logements, 14 PLUS, 6 PLAI. Les Bastides des Plans à Villeneuve-Loubet, 41 logements, 31 plus, 10 PLAI. Les Hauts Jardins à La Colle-sur-Loup, 25 logements, 16 plus, 5 PLAI, 4 PLS. Alors, en application de ce qui vous a été dit et de la délibération de ce jour, il y a simple prise d'acte du rapport qui vous a été présenté. Nous n'avons pas la possibilité de nous y opposer, donc j'imagine que, comme du monde quand même, personne ne s'abstient ou personne ne s'oppose sur cette prise d'acte. Donc la prise d'acte est valide. Alors, ordre du jour numéro 8, qui concerne Sophia Antipolis Habitat, c'est l'application de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, donc loi qui impose... Donc je ne reprends pas les différents éléments sur l'actionnariat ou autre, hein, vous les avez dans la note de synthèse. Ce qui est important dans cette délibération, c'est de prendre conscience que l'article 81 de la loi Elan, hein, la loi de 2018, nous oblige, en tant que société
d'économie mixte nous oblige à nous adosser, à intégrer un groupe avec un bailleur social qui détient au moins 12 000 logements, ce qui n'est pas le cas de la SAH, puisqu'elle ne détient, comme cela a été dit, que 1 700 et quelques logements. Donc, on n'a pas tellement de marge de manœuvre, hein, on applique tout simplement la loi. C'est une loi qui vise à se renforcer la concentration dans le domaine du logement social, l'idée étant, l'idée du gouvernement très certainement, l'idée du législateur, étant que nous ayons des très gros groupes de gestion du logement social. Alors, un des prétextes qui est avancé, ou en tout cas une des raisons qui est avancée, hein, c'est de pouvoir avoir une structure financière qui permette d'avoir une meilleure stabilité par rapport aux impayés. Donc plus on a de logements et plus on lisse le risque sur un grand nombre de logements. Donc pour les sociétés d'économie mixte comme la nôtre, l'obligation, malheureusement, elle est assez simple, c'est celle d'intégrer un tel groupe, c'est-à-dire concrètement de perdre la maîtrise sur, en tout cas de perdre le contrôle, hein, sur les opérations. Alors, la SAH, puisqu'elle n'atteint pas les 15% du seuil fixé par l'État de 12 000 logements, va se voir automatiquement appliquer en début d'année l'article 81. Donc elle va devoir soit faire un adossement vertical dans le cadre d'une filialisation avec une société de logements sociaux existante, soit elle va devoir adhérer, adossement horizontal, à une société dite de coordination. Dans tous les cas, hein, la conséquence, c'est la perte de contrôle sur le groupe, hein, puisque c'est au niveau du groupe que les décisions stratégiques sont prises. Donc l'idée, hein, c'est une idée qui ne concerne pas que la commune de Vallauris, mais qui concerne également la commune d'Antibes et la communauté d'agglomération, c'est d'anticiper l'application de cette loi, quelque part, je ne dirais pas d'y échapper, mais en tout cas de la mettre à profit, pour céder nos participations dans la SAH, de sorte que, d'une part, nous ayons une contrepartie financière, hein, puisque ces titres vont être rachetés par un bailleur institutionnel, d'une part, et d'autre part, de pouvoir, à travers un certain nombre de mécanismes de droit des sociétés, notamment en conservant pour la commune d'Antibes une action, pour la commune de Vallauris une action, pour la CASA un certain nombre d'actions, hein, que nous demeurions actionnaires de la société dont les titres sont acquis, et que cela nous permette ensuite, à travers un pacte d'actionnaires et ou un certain nombre de stipulations qui seront insérées dans le contrat de cession, de garder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le contrôle sur une certaine politique en matière de logements sociaux. Le contrôle sur quoi ? Évidemment, ce qui nous est important, hein, pour nous, collectivités, hein, que ce soit la ville d'Antibes, la CASA ou nous-mêmes, c'est de pouvoir avoir la maîtrise sur les personnes que nous plaçons dans ces logements sociaux. Hein, ça, c'est ce qui me paraît le plus important, parce que, bien entendu, le but, c'est nécessairement, en tout cas, c'est notre vision, hein, de pouvoir offrir des logements aux Valoriens et aux Golfe-Joannais qui en ont besoin, et de pouvoir choisir en fonction des besoins, en fonction des profils des personnes, hein, que nous souhaitons voir obtenir ces logements, avec des critères transparents d'attribution naturellement, mais de garder cette maîtrise. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de voter sur la cession des titres, c'est tout simplement d'approuver le principe de la consultation, hein, l'idée étant que l'on va consulter d'éventuels cessionnaires, hein, des personnes, des groupes qui seront intéressés ou peut-être intéressés pour acquérir nos titres, de sorte que on puisse, comme je l'ai dit, récupérer des fonds et que l'on puisse mettre en œuvre, continuer à mettre en œuvre une politique dont on ne perd pas le contrôle. Voilà. Hein, donc les grandes orientations, elles sont là. Il va sans dire, bien entendu, qu'on ne cède pas des logements. Hein, on céderait si la consultation était positive. On céderait la propriété de certains de nos titres, puisqu'on en conserverait pour pouvoir avoir toujours une minorité de blocage et participer notamment à d'éventuels pactes d'associés ou d'actionnaires en l'occurrence, et qu'on garderait en plus un rôle actif dans la politique en matière de logements sociaux, hein, puisque c'est dit dans la délibération que vous avez, hein, il y aura un engagement stratégique avec l'acquéreur
qui nous permettra, au moins pour une durée de 10 ans, hein, de procéder ou de participer à la prise d'acquisition foncière ou immobilière, à la construction des logements, donc on ne s'en désintéresse pas, on continue d'être actif en ce domaine, de réaliser des nouveaux logements, le cas échéant, en accession à la propriété, encadrée, etc., ou encore hein, de participer à la rénovation, notamment dans le domaine énergétique, du parc immobilier existant. Donc je synthétise, hein, parce que c'est la présentation que j'ai faite est assez technique. Quoi qu'il en soit, malheureusement ou pas, selon l'opinion qu'on en a, on va devoir subir une loi. Mieux vaut anticiper, céder nos titres ou une partie de nos titres, rester dans l'entité qui aura été achetée, hein, et pouvoir continuer à peser sur la politique. Parce que si on est intégré en janvier automatiquement sur la base de la loi, l'article 80 de la loi Élan, eh bien on n'aura pas cette maîtrise, on sera dans un groupe, on sera noyé, hein, nos participations seront complètement diluées, et on n'aura en plus pas la contrepartie financière que l'on pourrait avoir par le biais de l'opération. Donc j'insiste, je l'ai dit, mais je préfère le redire, pour l'instant, ce qu'on vote, ce n'est pas la vente des titres, ce n'est même pas le principe de la vente, c'est tout simplement d'approuver le projet de consultation. Et si on approuve le projet de consultation, eh bien on va voir quelles sont les offres qui nous sont faites, sachant qu'il y a un lien, hein, ce n'est pas nous tout seuls, mais on est avec la CASA et avec Antibes, puisque les trois collectivités publiques vont céder ensemble leurs titres, de façon à avoir une opération qui est la meilleure possible. Hein, donc ça a été voté, pour rappel, à l'unanimité à la CASA, ça a été voté également à l'unanimité par le conseil municipal d'Antibes. Et ce que je vous invite à faire, évidemment, après vos observations ou vos questions, hein, c'est à voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des prises de parole qui sont demandées ? Monsieur Manago ? Oui, l'exposé, pour ma part, je pense le comprendre, même s'il y a une ingénierie financière autour de ce projet, évidemment. Opération a priori louable, cependant, cela ne reste que des hypothèses de travail. Évidemment, et rien ne permet aujourd'hui de nous garantir en fait ce que vous qualifiez de contrôle en fait des logements qui seraient attribués par le nouvel acquéreur. C'est la première observation. J'en ai une deuxième. Je vous répondrai, ouais. Vous parlez également des parts qui seraient partiellement cédées pour faire rentrer l'argent dans la commune. Pourquoi pas? Mais de ce fait, en fonction du schéma financier et économique qui pourrait se profiler face à un futur acquéreur, d'une partie de ses parts, ça diluerait d'autant, en fait, la prise de participation de la ville chez ce nouvel bailleur de fonds, imaginons, et de ce fait, disons, minorerait, en fait, la décision sur l'attribution des logements, auquel cas nous perdrions peut-être ou resterions peut-être minoritaires. Là aussi, ce sont des hypothèses de travail, mais tout cela doit être mûrement réfléchi, j'imagine, que vous y travaillez, pour éviter de tomber dans cet écueil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations dans le même sens? Et si, après, sinon, je vais y répondre. Donc, ce que vous dites sur la perte de contrôle, de toute façon, le contrôle, nous le perdons par l'effet de la loi. Hein, à compter du 1er janvier, on a l'obligation de s'adosser alors horizontalement ou verticalement et donc d'intégrer un groupe. Et dans ce groupe, forcément, on est minoritaire puisqu'on dispose de 1700 et quelques logements, hein, et que ce groupe, il aura au minimum 12 000 logements. Autrement dit, par la force de la loi, hein, c'est le but poursuivi d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de concentration dans le domaine du logement social, par l'effet de la loi, automatiquement, on va ne plus être majoritaire, hein, on n'aura pas le contrôle. Ça, c'est clair, hein, je vous mentirais si je vous disais on va avoir le contrôle. C'est faux, on n'a plus le contrôle, mais de toute façon, nous, commune de Valouris, nous n'avions déjà plus le contrôle, puisque la précédente municipalité et l'opposition, ça avait été voté à l'unanimité à l'époque, avait approuvé le projet de fusion, et dans la SAH, nous n'avions que 11,7% des parts. Donc déjà, nous étions minoritaires, puisqu'Antibes a 55%. Donc, si vous voulez, on ne perd pas une majorité, puisque cette majorité, on ne l'avait pas. Donc, on ne perd pas un contrôle, on n'avait pas de contrôle. On était contrôleurs de la Sémival. La Sémival a été fusionnée. Le conseil municipal de l'époque a voté pour. On en prend acte. Désormais, eh bien, nous sommes dans une entité où nous sommes très minoritaire, 11%, hein, donc on n'a déjà pas un point important. Bon, fort heureusement, les mécanismes de gestion à la CASA font que chacun peut s'exprimer et chacun, pour le territoire qui le concerne, peut faire valoir
ses attentes, donc tant mieux, hein, mais déjà nous n'avions pas le contrôle. Après l'opération, nous n'aurons toujours pas le contrôle, ça c'est clair. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de changement, statu quo. La seule chose, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on ne fait rien, et dans ce cas-là, on rentre dans ce groupe intégré où on n'a pas de contrôle et où on ne retire pratiquement rien. Soit on tente cette opération, vous l'avez dit, elle est sans certitude, et vous avez raison là-dessus. Pour l'instant, on ne fait qu'une consultation, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de soumissionner en disant « Est-ce que vous êtes prêts à nous acheter les parts et à quel prix ?» Donc il se peut très bien qu'on nous achète les parts, un très bon prix. Il se peut également, même si je ne pense pas que cette hypothèse se réalisera, mais il est possible qu'aucun bailleur ne soit intéressé. Auquel cas, nous n'aurons rien perdu, hein, nous resterons dans la situation actuelle et au début de l'année 2021, eh bien, nous serons soumis à l'article 80 de la loi Elan que j'ai cité, donc statu quo. En fait, cette délibération, c'est simplement d'approuver le lancement de la consultation pour dire est-ce que vous êtes intéressé par acquérir nos parts et si oui, quel prix. Ensuite, nous formaliserons, si la commune y trouve son compte, nous formaliserons un acte de cession ainsi que Antibes et ainsi que la CASA, hein, je le rappelle, dans lequel eh bien, il y aura des conditions à la cession. Et parmi ces conditions, il y aura des conditions financières, hein, le paiement du prix tel qu'il a été décidé. Et il y aura également un certain nombre de contraintes, puisqu'on demandera à l'acquéreur des parts, qui sera majoritaire, évidemment, on lui dira, ben, nous, on veut avoir la maîtrise sur tel aspect qui nous paraît déterminant. Donc, par exemple, hein, notamment, c'est ce qui est important pour nous, un, qu'il y ait une politique en matière de logement social qui continue. Il ne s'agit pas de se désengager, d'abandonner le logement social et de dire on s'en lave les mains. Ce n'est pas une délibération à la Ponce Pilate. L'idée, c'est un, qu'il y ait une politique de logement et on continuera à être acteur en tant que commune, mais aussi dans le cadre de la CASA. Deux, on va pouvoir, dans l'acte de cession, imposer ces contraintes. Trois, si on est actionnaire avec un certain nombre de titres, on va pouvoir bloquer certaines décisions. Alors, il y a un mécanisme dérogatoire, ce n'est pas du droit commun des sociétés, parce que vous savez très certainement que si on a une ou deux actions dans une société anonyme, on ne peut rien faire. Mais il y a des règles spécifiques qui s'appliquent aux sociétés s'occupent de logement social. Et là, si la collectivité publique détient certains titres, elle peut exercer un certain nombre de prérogatives. C'est ce que va nous permettre la détention de certaines actions que nous conserverions. Et enfin, on aurait la possibilité aussi de faire ce que l'on appelle un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire un contrat qui est conclu entre deux ou plusieurs actionnaires, plusieurs en l'occurrence, pacte d'actionnaires qui permet aussi d'imposer, ou en tout cas d'intégrer un certain nombre de préoccupations que l'on aurait en tant qu'actionnaire de l'entité constituée. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique et que je réponds avec précision aux questions que la représentation se pose. Est-ce que vous avez d'autres questions ou observations ? Non. Alors, je vous demande donc d'approuver le lancement d'une consultation, hein, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, le lancement d'une consultation qui vise à la cession par la commune des actions de la SAH dont elle dispose, étant précisé que cette cession est réalisée de façon simultanée avec la CASA et la commune d'Antibes, autres collectivités locales qui sont actionnaires de la SAH. J'insiste sur ce point et je vous demande d'en tenir compte. Elle sera accompagnée d'un pacte d'engagement pour le logement social afin de satisfaire aux objectifs du programme local de l'habitat tel qu'établi par la CASA. Première chose. Et je vous demande ensuite de décider que pour des raisons à la fois pratiques, de formalisme et de coût, eh bien, on mette en œuvre une procédure de consultation qui soit réalisée par la commune d'Antibes. Donc il y aura un seul actionnaire qui va s'occuper de la procédure. L'idée étant, je le rappelle, que chaque commune ne va pas céder isolément ses titres, mais qu'il va y avoir une cession globale par les acteurs publics qui détiennent ses parts. Donc il y a une question de mutualisation des moyens. Là, en l'occurrence, c'est Antibes qui s'occupe de la consultation. Et donc c'est Antibes qui fait l'ensemble des opérations, ce qui est logique et ce qui est conforme à ce qui se fait dans un certain nombre de sociétés. C'est très souvent l'actionnaire majoritaire qui se charge
pour les personnes liées par l'opération à réaliser ce genre de choses. Voilà. Donc, est-ce que vous approuvez, est-ce que vous êtes d'accord que cette consultation soit faite ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ordre du jour numéro 9, le remplacement des représentants à la SPL, donc la Société publique locale SOFIA. Alors, une petite précision hein, sur ce remplacement. En fait, ce qui s'était passé, c'était que, antérieurement à la délibération du 20 juillet 2020, la SPL de SOFIA Antipolis nous avait informé que nous devions procéder à la désignation de 4 personnes pour siéger dans les différentes instances de cette société. Donc, on avait fait ça en conseil municipal, hein, le 20 juillet 2020, et ensuite, la présidente de la SPL nous a contactés en nous disant, finalement, ce n'est pas très commode d'avoir 4 personnes différentes, et qu'il est plus opportun, dans un souci de bonne administration des différentes instances concernées, que nous ayons un seul représentant qui siège au titre des 4 instances ou collèges en cause. Donc ce qui vous est proposé dans cette délibération, c'est d'abord donc, de relever Mme Rioton, Mme Anas et Mme Aublin de leur fonction de représentation au sein de cette SPL. Je vous demande d'abord si vous êtes d'accord pour que le scrutin se fasse en public et sans que l'on soit, il soit besoin de voter à bulletin secret. Quoi ? Oui. Donc à main levée, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on vote à main levée ? Oui. Tout le monde est d'accord ? Très bien, je vous en remercie. Et je vous demande donc de désigner, conformément aux articles 14 et 30 des statuts de la SPL SOFIA, une personne qui sera amenée à siéger dans les 4 instances que je viens de citer. Donc, au nom de la majorité, c'est M. Fonck qui est candidat. Est-ce qu'il y a des candidats pour les autres groupes ? D'autres candidats ? Non ? On doit voter quand même ou pas ? Donc, il n'y a pas de candidat pour les autres groupes en conseil municipal. Qui s'oppose à la désignation de M. Fonck ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, M. Fonck est désigné comme représentant de la commune au sein de la SPL. Et donc, au titre de la délibération numéro 10, sans plus attendre, je donne la parole au premier adjoint. Tu dois présenter le rapport annuel. Alors, rapport annuel, exercice 2018, SPL SOFIA. SOFIA. Alors, l'article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qu'il aurait soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. La ville de Valoris-Golfe-Juan est actionnaire de la SPL SOFIA. À ce titre, le rapport annuel de l'exercice 2018 de la SPL doit être présenté au conseil municipal. La SPL SOFIA, clôturant ses comptes au 31-12-2018, aurait dû les approuver durant le 30 juin 2019. La SPL a sollicité et obtenu auprès du tribunal de commerce un délai pour clôturer ses comptes. Le rapport annuel au titre de l'exercice 2018 a donc été présenté en conseil d'administration de la SPL le 28 octobre 2019 et à l'Assemblée générale de la SPL le 16 décembre 2019. Ce rapport a ensuite été transmis à la ville de Valoris.
La crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 et le report des élections municipales n'ont pas permis de présenter ce rapport à l'Assemblée délibérante au cours du premier semestre 2020. Quant au rapport au titre de l'exercice 2019, il n'a pas encore été transmis à la ville et sera donc présenté ultérieurement. Le rapport joint en annexe présente l'activité de la SPL Sophia au titre de l'exercice 2018, à savoir les concessions d'aménagement en cours et les opérations en mandat. Il est complété par un état financier présentant la situation des comptes au 31-12-2018. Il est possible de noter au titre de l'exercice 2018 les éléments suivants. Actionnariat. Le capital social de la SPL Sophia est de 230 400 euros répartis sur 2 400 actions. La SPL était composée de 11 actionnaires en 2018, le principal étant la commune de Valbonne avec 36% du capital. La ville de Valoris-Golfe-Juan est actionnaire à hauteur de 8%, soit une participation à hauteur de 18 432 euros et dispose d'un représentant au conseil d'administration. Le résultat de l'exercice 2018, le cœur de métier de la société est l'aménagement et la construction d'équipements publics pour le compte de ses actionnaires. La SPL gère un volume de transactions important. En 2018, le volume des opérations a représenté un montant de 93 800 millions d'euros hors taxes répartis entre 64,9 millions d'euros hors taxes pour trois concessions d'aménagement, ZAC des Clozones sur la commune de Valbonne dans le cadre est notamment prévu le projet Open Sky. Le projet initial prévoyait la construction de bureaux, de services publics, d'équipements collectifs, ainsi que de l'hôtellerie, des commerces et des activités artisanales et semi-industrielles pour une surface de plancher de 150 000 mètres carrés. La compagnie de Falsbourg, qui porte ce projet, a obtenu un permis de construire en 2016. Toutefois, la nouvelle équipe municipale élue en juin 2020 à Valbonne entend renégocier avec le promoteur les contours de ce projet. Ce dossier représente des enjeux juridiques et financiers importants pour la SPL. ZAC des Hauts de Roquefort, sur Roquefort-les-Pins. Ce projet comprend la construction de logements, un EHPAD, des équipements publics, un centre pour le SDIS, un centre technique municipal, une déchetterie, pour une surface de plancher d'environ 20 000 mètres carrés. Pays de Salles, sur la commune de Valbonne, programme de logement comprenant 100 à 120 logements environ pour une surface planchée de 8 200 mètres carrés. 28,9 millions d'euros hors taxes pour 19 opérations en mandat. Toutes les opérations sont détaillées dans le rapport annuel, requalification des rues du village de Biotte, création d'un parking paysager à Châteauneuf, réalisation d'une école intercommunale pour le syndicat du Pont du Loup, réalisation d'un groupe scolaire à Opio. La SPL s'est également vue confier les études de programmation et de faisabilité pour la construction des ouvrages, pôle innovation et le siège de la CASA. Le résultat de la SPL Sophia au titre de 2018 est bénéficiaire à hauteur de 21 739 euros. Il était de 22 406 euros en 2017. Elle dispose de 6 salariés. La dette bancaire était de 1,3 million d'euros au 31-12-2018. Une avance de 3 millions d'euros avait également été consentie par la commune de Valbonne. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel de la SPL Sophia au titre de l'exercice 2018 présenté par l'administrateur représentant la ville de Valoris-Golfe-Juan. Alors je me permets d'attirer votre attention sur un point qui me paraît important, hein. C'est notamment la question d'Open Sky qui en son temps avait été approuvée par M. Bertrand, à l'époque premier adjoint de Mme Saluki, qui après a rejoint la liste de M. Falcou, et par Mme Saluki qui l'avait mandaté évidemment pour le faire, même si après tous les deux ont dit qu'ils n'étaient pas responsables de cela. Alors c'est pas pour parler du passé que je dis ça, c'est tout simplement parce que évidemment, hein, comme cela est dit dans le rapport, on a des enjeux juridiques et financiers importants qui sont liés à ce dossier et notamment à la réalisation ou pas d'Open Sky, hein, parce que ça risque de coûter très cher à la SPL et par ricochet évidemment et ça risque d'avoir des conséquences pour les communes en cause et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse, la commune de Valoris, hein, donc on voit que la bonne gestion du passé, hein, les choix particulièrement fins et intéressant de l'équipe de Mme Saluki, hein, se répercute aujourd'hui avec des risques importants à travers cette approbation d'Open Sky, qui est une hérésie économique, une hérésie environnementale, une hérésie
à tous les points de vue, hein, économique, parce qu'elle va évidemment, si elle se réalise, cette création d'Open Sky, elle va porter un préjudice important à nos commerces de centre-ville. Hein, donc merci Madame Saluki, merci Monsieur Bertrand, hein, vous avez été particulièrement efficace dans ce dossier, hein, et on risque de devoir en payer les conséquences pendant de nombreuses années. Je referme ma parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ou des demandes de parole? Non. Pardonnez-moi, oui, Monsieur Tivoli. Et concernant la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis, dont vous êtes président, quelle est l'orientation concernant cela? Parce que je crois que M. Leonetti, à l'époque, y était favorable. Je vous invite à poser la question à M. Leonetti. Moi, je n'y suis pas favorable. Et je n'y étais pas favorable, je n'étais pas élu à l'époque, et aujourd'hui je ne suis absolument pas favorable, que ce soit avec la casquette de maire ou avec la casquette de premier vice-président de la communauté d'agglomération. Très bien, merci. Voilà, réponse précise à une question. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur Manago? J'aimerais rétablir juste une vérité, puisque vous avez un point commun avec madame Saluki, vous êtes parfaitement contre ce projet d'Open Sky. Ah bon? L'histoire raconte... C'est au moins un point commun, il y en a un. On l'a enfin trouvé après quelques semaines, quelques mois. L'histoire raconte en fait qu'il y a eu en fait un abus de représentation et l'adjoint qui était en charge en fait a voté pour ou contre l'avis de la maire qui était en poste et en fonction. Alors, à cette époque-là. Ce que vous dites est tout à fait possible, hein, bien entendu. Malheureusement, ça s'est produit, oui. C'est possible. Moi, je n'y étais pas, donc je ne dis pas que c'est bon, pas vrai. Donc je dis c'est possible, mais c'est quand même grave qu'il ait fallu au maire 3 ans pour se rendre compte de ça. C'est que manifestement, elle n'était pas à sa place là où elle était. Parce que s'il lui faut 3 ans... Je ne peux pas vous laisser dire cela, parce que vous savez très bien que sur les opérations sont très longues sur le plan administratif. Si lui faut 3 ans pour constater que son propre premier adjoint a fait un abus de pouvoir dans le cadre d'une collectivité, d'un EPCI, parce que c'est dans le cadre de la CASA que ça s'était décidé, oui, et qu'il lui a fallu 3 ans pour s'en rendre compte alors qu'il y a des actes et des délibérations qui ont été publiés, c'est vraiment grave. Bon, c'est peut-être qu'elle ne lisait pas les documents qu'elle signait, hein, pourquoi pas. Maintenant, ça dénote quand même un certain problème, une maîtrise au moins des dossiers et un problème de maîtrise dans le choix des personnes. C'est un jugement de valeur que personne ne peut apprécier, personne n'était là de toute façon. Je réponds à ce que vous me dites. Moi, je ne sais pas si M. Bertrand a fait dans le dos ou pas de Mme Saluki. Mais je vous dis, il y a 2 solutions. Soit M. Bertrand a été envoyé par Mme Saluki pour faire, et dans ce cas-là, elle est de mauvaise foi à prétendre le contraire. Soit M. Bertrand, effectivement, comme elle le dit, a fait dans son dos. Et dans ce cas-là, elle n'était pas suffisamment compétente pour mettre plus de 3 ans pour s'en rendre compte. Dans tous les cas, c'est grave. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle était franchement opposée à ce projet. Ah bon? Avant les élections, oui. Juste avant les élections. Mais bon, peu importe. On n'est pas là pour parler de ce projet. Hein, simplement, je mettais l'accent sur ce projet, non pas pour créer des polémiques, loin s'en faut, mais tout simplement parce que, comme il est dit dans le rapport, hein, il y a des enjeux juridiques et financiers importants, c'est-à-dire qu'on est susceptible, dans les mois ou les années à venir, eh bien, à venir en aide à la SPL en raison des engagements qui ont été pris dans le cadre de cette opération, qui est une opération désastreuse, qui a été décidée. Alors, comme vous le dites, moi, je veux bien croire la parole de Mme Saluki, hein, je n'ai pas de raison de ne pas la croire, mais c'est quand même un héritage problématique qui nous est laissé. Alors, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel de la SPL, tel qu'il vous a été exposé et tel qu'il est annexé à la présente délibération. Personne n'est contre, personne ne s'abstient, donc il a été pris acte de ce rapport. Délibération numéro 11, c'est la désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense. Et c'est moi qui vais la présenter. Donc, une circulaire du ministère de la Défense, complétée par une instruction du ministère de la Défense, a mis en place ce que l'on appelle un correspondant défense dans chaque commune. Et de façon afférente à cette mise en place, eh bien, il y a l'obligation de désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal, avec pour mission principale, eh bien, de réfléchir à la politique de défense, au parcours de citoyenneté dont le recensement est la journée d'appel de préparation à la défense, hein, qui intéresse évidemment les jeunes, et de travailler à la question de la mémoire et du patrimoine
dans ces domaines. Je vous propose, impossible de trouver une meilleure candidature que celle du général Philippe Septier pour représenter la commune. Est-ce que les autres groupes souhaitent présenter un candidat ? Nous avons soumis une candidature. Vous avez soumis une candidature. En l'occurrence, elle est là, celle de M. Avril. Est-ce que le groupe Ensemble pour valoriser le changement souhaite présenter une candidature ? Non. Alors, est-ce que vous acceptez le principe d'un vote à main levée ? Tout le monde accepte. Donc, qui vote pour le général Septier ? Qui s'abstient ? Qui vote pour M. Éric Avril ? Très bien, le général Septier est désigné comme correspondant défense de la commune. Ordre du jour numéro 12, la commission communautaire de proposition des candidats, CCPC, et plus précisément la désignation des représentants de la commune au sein de cette instance. Alors, conformément à l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération dispose de la compétence en matière équilibre social de l'habitat. L'intérêt communautaire de cette compétence a été défini le 10 juillet 2006 par une délibération. La communauté d'agglomération bénéficie de la réservation d'un certain nombre de logements dans les programmes HLM en contrepartie de l'apport d'un terrain, d'un financement ou d'une garantie d'emprunt. À ce titre, donc, la CASA dispose d'un contingent de réservation de logements locatifs au titre de la garantie d'emprunt, des subventions accordées, qui lui permet de présenter des candidats à la commission d'attribution des organismes HLM. Alors, il y a un certain nombre de contraintes qui sont posées, notamment pour favoriser la transparence et l'équité entre les candidats, je n'y reviens pas, et il y a plus précisément un plan partenarial de gestion de la demande qui est adopté par le Conseil communautaire en date du 27 mars 2017, qui a entraîné une évolution de la CCCP. Donc, en plus des missions dévolues à la CASA, concernant la désignation des candidatures, cette CCP est chargée d'œuvrer aux bonnes pratiques dans le traitement des demandes et d'assurer une politique de peuplement et de mixité sociale. Donc, dans cette instance, la CCP, il y a certains membres. Et naturellement, nous allons désigner au titre de la commune certains de ses membres. Alors, s'agissant du groupe majoritaire, sont proposées 4 candidatures. Alors d'abord, avant de vous exposer les candidatures, est-ce que vous acceptez que nous votions à main levée ? Oui. Donc les 4 candidats de la majorité sont Madame Jiménez, Madame Selamaro, Monsieur Bruzizi et Monsieur Razafiarison. Les autres groupes ont proposé des candidats. Donc Madame Capadona, Monsieur Avril, Madame Bonuccelli, Monsieur Polycarpe. Et le groupe Ensemble a proposé Madame Cantoni, Monsieur Chartier, Madame Leduc et Madame Ferreira Barbosa. Donc je vous propose de voter, on va faire un scrutin de liste, on ne va pas les élire un par un. Donc je vous propose de prendre acte des différentes candidatures que je viens d'énumérer. Je vous propose de voter à main levée et je vous propose de désigner par le biais du vote 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Alors s'agissant des membres titulaires, on va voter par ordre. Donc qui vote pour Madame Jiménez et Madame Selamaro ? Bien, c'est bon. Qui vote pour Madame Capadona et Monsieur Avril ? D'accord. Qui vote pour Madame Cantoni et Monsieur Chartier ? D'accord. Donc les 2 suppléants désignés sont Madame Jiménez et Madame Selamaro. En ce qui concerne les suppléants, donc qui vote pour Monsieur Bruzizi et Monsieur Razafiarison ? Qui vote pour Madame Bonuccelli et Monsieur Polycarpe ? Qui
qui vote pour Madame Le Duc et Madame Ferreira Barbosa. Donc Monsieur Bruzizi et Madame et Monsieur Razafiarison, pardon, sont désignés. Ordre du jour numéro 13, la commission intercommunale des impôts directs et la désignation des membres proposés par le conseil municipal. Donc, quelques mots sur cette commission. Conformément à l'article 1650A du Code général des impôts, la communauté d'agglomération est tenue d'instaurer une commission intercommunale des impôts directs. Cette commission est chargée d'un certain nombre de missions dont je vous fais l'économie. Elle est composée du président de la CASA ou d'un de ses vice-présidents délégués, de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants. Donc la désignation des commissaires sera faite par monsieur le directeur départemental des finances publiques à partir d'une liste de contribuables qui lui est proposée. Donc je passe sur les conditions de désignation, enfin sur les conditions pour être désigné, être âgé de 18 ans, être de nationalité française, etc. etc. Et je vous demande donc de valider la liste nominative des 4 contribuables qui va vous être soumis à travers un vote. Donc de prendre acte des candidatures que je vais immédiatement vous livrer. Alors pour la majorité, 4 candidats. Madame Covili, Madame Hôtelier, Monsieur Passy et Madame Seguin. Donc pour la majorité, Madame Covili, Madame Hôtelier, Monsieur Passy et Madame Seguin. Pour un des groupes d'opposition, Ensemble pour Valoris Golfe-Jean, Madame Mercier, Monsieur Bonhomme, Madame Brotteau et Madame Fleury. Pour l'autre groupe du conseil municipal, Madame Isébri, Monsieur Viteta, Monsieur Bongioani et Monsieur Pronesti. Donc si vous le voulez bien, on va voter là encore à main levée. Vous êtes d'accord? Et on va voter par liste à chaque fois. Donc qui vote pour la liste Covili, Hôtelier, Passy, Seguin? D'accord. Qui vote pour la liste Mercier, Bonhomme, Brotteau, Fleury? Qui vote pour la liste Isébri, Viteta, Bongioani, Pronesti? Très bien. Donc les élus, les personnes de la majorité, Covili, Hôtelier, Passy, Seguin, sont désignés. Ordre du jour numéro 14, relatif à l'entretien du parking de covoiturage au giratoire du pont de l'Aube, convention avec le département des Alpes-Maritimes et la communauté d'agglomération. Donc, à la demande de la commune, le département des Alpes-Maritimes va réaliser et mettre en service un parking de covoiturage de 41 places, plus 2 places pour des personnes à mobilité réduite, ainsi que 10 places vélo, 10 places moto, entre la RD 6107 et la RD 6007 au giratoire du pont de l'Aube. Donc, il s'agit principalement pour le département de procéder à la création d'un parking de covoiturage et de la mise en place d'arceaux, de box à vélo, ce qui permet évidemment de favoriser ce qu'on appelle les liaisons douces. Il y a également un certain nombre de mesures de création d'assainissement, de mise en place d'une signalétique, de mise en place de portiques anti-intrusion, etc. Donc la communauté d'agglomération, de son côté, va procéder à la mise en œuvre de bornes de recharge pour les véhicules électriques et la commune de Valoris-Golfe-Jean va procéder à la création d'un éclairage sur ce parking. Donc ces ouvrages, dont la propriété est au département, puisqu'on est sur le prolongement des terrains destinés à la fameuse déviation, donc à l'exception des bornes de recharge pour véhicules électriques qui appartiennent à la CASA et de l'éclairage qui appartient à la commune de Valoris, feront l'objet, en ce qui concerne leur entretien et les réparations, d'un transfert à la charge de la commune sans contrepartie financière, en raison de l'intérêt commun pour les trois parties. Donc c'est une convention, tout ce qu'il y a de plus classique. Très souvent, vous avez un aménagement qui est réalisé par le département et ensuite, le département, par le biais d'une convention, va donner la charge de l'entretien à la commune qui en bénéficie.
C'est le cas évidemment à Vallauris, c'est le cas aussi dans les autres communes. Donc il y a un projet de convention que je vous demande d'approuver. Donc approuver les termes de la convention d'entretien du parking de covoiturage. Je vous demande de m'autoriser à signer la dite convention et les documents afférents à celle-ci. Et je vous demande de dire que les dépenses afférentes seront inscrites au budget communaux correspondant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? J'avais une question, oui. S'il vous plaît, monsieur Luciano. Ah. Pardonnez-moi. La question est simple. Disons, la convention qui a été jointe ne précisait pas, en fait, les montants, évidemment, mais avez-vous effectué un prévisionnel des charges d'entretien sur ces lieux ? Ce sont des charges qui sont assez faibles, parce que pour l'essentiel, ce seront des charges qui seront réalisées, des entretiens qui seront réalisés par le personnel. Il y a des agents qui sont affectés spécifiquement ? Il n'y aura pas des agents affectés spécifiquement. On ne parle pas d'un entretien considérable. C'est simplement une petite aire de stationnement. Il y a 41 places, plus de places de mobilité réduite. Donc il y aura un entretien qui sera fait de façon occasionnelle, lorsque nécessaire. On n'est pas du tout sur quelque chose qui nécessite de très... Comme il y a des équipements également qui sont plutôt techniques ou technologiques, donc ça pouvait supposer un entretien spécifique. C'était une simple question. Oui, non, mais je l'ai prise comme cela et je vous ai répondu de façon très simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ordre du jour numéro 15, la constitution d'un groupement de commandes entre la commune et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis pour la passation d'un marché public de fourniture de papier standard. L'idée étant d'autoriser la signature de la convention constitutive du dit groupement. Alors, quelques mots sur cette opération. Il y avait un précédent contrat qui allait du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Ce contrat arrive à échéance en fin d'année. Ce qui est proposé, c'est de renouveler avec quelques modifications ce contrat, de constituer le groupement de commandes. Il y a des modifications qui sont relativement marginal. Donc les membres du groupement de commandes, du futur groupement de commandes, seront de 11. Ils étaient précédemment de 16. En ce qui concerne les conditions financières de ce groupement, le groupement est porté au niveau de la procédure de mise en concurrence pour la CASA, mais l'exécution du contrat sera assurée par la ville d'Antibes, qui dispose d'un magasin important, qui est en capacité de gérer l'ensemble des commandes, le stock de fournitures, le suivi des stocks et la livraison des membres du groupement. Autrement dit, c'est Antibes qui va faire à notre place les opérations afférentes à ce groupement de commandes. Et l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir réaliser des économies substantielles. On achète à des conditions qui sont beaucoup moins onéreuses si on est 11 plutôt que si on est tout seul, parce qu'on sait qu'évidemment, on peut bénéficier dans ce cas-là de ce qu'on appelle des économies d'échelle, de prix de groupe. Donc, s'agissant du dernier contrat, celui qui va arriver à échéance, Vallauris représentait 34,28% de la consommation et elle reversait 2 056 € à Antibes au titre de sa participation, puisque, évidemment, Antibes ne va pas assurer toute seule les charges qui sont afférentes à ce groupement de commandes. Au titre du futur contrat, donc Vallauris va représenter 40% de la consommation, ce qui est logique puisqu'on a moins de communes qui sont membres. Nécessairement, notre part devient plus grande et elle ne versera que, entre guillemets, 2 057 €. Donc, la participation n'augmente pas alors même que la consommation va augmenter en rapport global. Ce qui est tout à fait intéressant pour nous. L'estimation qui est faite au titre des frais de gestion global, c'est 5 144 €. On est en dessous des 40% de participation, alors même qu'on va bénéficier de 40% de la consommation de ce papier qu'on aura à un marché bien meilleur. Alors, je vous demande d'approuver le principe de la constitution de ce groupement de commandes avec la CASA. Je vous demande de m'autoriser à signer la convention qui est constitutive du ce groupement et que vous avez en annexe.
Je vous demande de m'autoriser à engager les démarches nécessaires, pour la mise en œuvre et la bonne exécution de la convention. Et enfin, je vous demande de dire que les crédits qui sont destinés au financement des dépenses afférentes aux 10 groupements seront inscrits au budget des exercices concernés, à savoir 2021 à 2024. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération dans le cadre de l'ordre du jour numéro 16. La constitution d'un groupement de commandes, cette fois entre la commune et le CCAS, pour la passation d'un marché public de services pour l'assurance des risques statutaires. Autorisation de signature de la convention constitutive du groupement. Alors, en ce qui concerne le marché des assurances de la commune, je vais vous faire une petite présentation rapide de la situation actuelle. En 2016, la commune a lancé une procédure de mise en concurrence pour la famille des risques dite responsabilité civile. Un contrat a été signé avec une compagnie pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017, contrat qui naturellement arrive à échéance le 31 décembre de cette année. En 2017, la ville avait lancé une procédure de marché public pour les familles d'assurance risques statutaires, dommages aux biens, risques d'exposition et flotte automobile. Ces contrats de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 peuvent être dénoncés à chaque période de reconduction, moyennant un préavis. Ils viendront à échéance le 31 décembre 2021, l'année prochaine. Donc, des procédures ont été assurées en groupement de commandes avec le CCAS et la Caisse des écoles, respectivement pour la famille de risque responsabilité civile et risque statutaire, là encore pour des raisons d'économie qui sont évidentes. Et pour l'élaboration du cahier des charges et de l'analyse des offres, la ville a recours à un cabinet de consultants en assurance, comme cela se pratique dans la plupart des autres communes, en tout cas des communes d'une certaine importance, à savoir le cabinet ASC. Ce cabinet étudie nos risques, il étudie aussi notre sinistralité et il vérifie les appels de cotisation, conseille la ville en ce qui concerne le suivi et l'élaboration des cahiers des charges pour la conclusion de futurs contrat d'assurance. Donc, ce cabinet AFC Consultant a préconisé que les contrats passés pour les risques statutaires et dommages aux biens qui ont donné lieu au contrat que j'ai mentionné tout à l'heure soient dénoncés avant leur échéance de 2021 en fonction de l'évolution de la sinistralité de la ville. En effet, à l'époque de la remise des offres, les candidats avaient fait des offres peu avantageuses financièrement parce que la sinistralité de la commune était importante. Aussi, donc, nous avons réfléchi lors de la préparation du nouveau cahier des charges pour le contrat de responsabilité civile, et nous avons demandé à AFC son avis sur une éventuelle reconduction ou non des contrats risques statutaires dommages aux biens, après analyse, là encore, de la sinistralité qui est la nôtre. AFC, donc le cabinet en question, estime que nous pouvons obtenir une baisse des primes au vu de notre sinistralité actuelle et des tensions moins fortes sur ces branches d'assurance, et il a préparé certains courriers de résiliation. Donc ce qui est proposé concrètement, c'est une résiliation avant le 31 août 2020 des contrats d'assurance, ce qui avait été proposé, pour être précis. C'était une résiliation avant le 31 août 2020 des contrats d'assurance risque statutaire dommages aux biens. En conseil municipal de septembre, de passer une convention de groupement de commandes avec la Caisse des écoles pour la responsabilité civile et avec le CCAS pour les risques statutaires, et ainsi de lancer une procédure de mise en concurrence sous forme d'appel d'offres pour les trois familles de risques suivantes, à savoir responsabilité civile, risque statutaire, dommages aux biens, l'idée étant bien entendu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'avoir des primes qui soient beaucoup plus faibles, en tout cas qui soient plus intéressantes que celles qui étaient actuellement payées. Alors, le montant global du marché sur 4 ans a été estimé à 860 000 euros. Donc, sur la base des informations que je vous ai livrées, vu notamment les articles L2113-6 à 2113-8 du nouveau code de la commande publique, je vous demande l'approbation du principe de constitution du groupement de commandes que je viens d'évoquer entre la commune,
le CCAS et la Caisse des écoles. Je vous demande de m'autoriser à signer la convention constitutive de ce groupement. Je vous demande également de prendre acte du fait que dans la constitution du groupement, eh bien, c'est la commune qui sera coordonnateur hein, pour elle-même, mais également pour les deux autres entités concernées. Je vous demande de m'autoriser à engager les démarches nécessaires pour la mise en œuvre et la bonne exécution de cette convention. Et enfin, je vous demande de dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ce groupement de commandes seront inscrits au budget des exercices concernés, là encore, 2021 à 2024. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité et je vous en remercie. Ordre du jour numéro 17, ressources humaines, donc c'est recours au contrat d'apprentissage et accueil d'un apprenti. Alors vous le savez, hein, il existe un certain nombre de dispositions légales qui concernent au sens large du terme hein, la formation professionnelle, les contrats d'apprentissage et qui permettent entre autres aux collectivités d'accueillir en leur sein des stagiaires et ou des personnes en contrat d'apprentissage. Or, il faut une délibération de l'Assemblée municipale. Et donc, ce qui vous est soumis aujourd'hui, hein, c'est d'approuver le principe donc, qui nous permettra ensuite d'accueillir des personnes en contrat d'apprentissage, d'une part, et d'autre part, c'est de décider que à compter de cette rentrée, à la rentrée 2020-2021, un contrat d'apprentissage va être conclu avec une jeune femme de Valoris hein, qui travaille dans la communication, qui plus précisément prépare un bac plus 5 en management des stratégies de communication marketing pour une durée de formation de 2 ans. Alors, je voulais juste faire une observation et ensuite je vous donne la parole. Je pense qu'il est très important, hein, en particulier dans une situation de crise que l'on connaît aujourd'hui et qui rend difficile l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment de nos jeunes, il est très important de leur offrir ou de favoriser pour ces jeunes des parcours de formation, y compris au sein de nos collectivités. D'abord parce que, bien entendu, ça permet de les former, de leur mettre un pied à l'étrier dans la perspective d'un futur emploi que ces jeunes pourraient acquérir. Et ensuite, je pense que c'est aussi un moyen d'enrichir nos services éventuellement avec des agents, des jeunes agents, qui ne sont pas à proprement parler des agents municipaux, hein, mais qui vont être en partie dans le cadre de leur formation sur le lieu, qui vont travailler pour la collectivité et qui permettent d'apporter une nouvelle vision, qui permettent d'avoir des nouveaux procédés de travail. Et pour des conditions tarifaires qui sont très avantageuses, hein, d'avoir des jeunes qui œuvrent, qui se forment en même temps, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de faire travailler des gens sans contrepartie, mais il s'agit vraiment hein, d'avoir une véritable politique à l'égard de la jeunesse, de la formation, qui va à la fois enrichir nos services et qui va enrichir le jeune lui-même. Monsieur Tivoli, vous avez une question ? Oui, c'est une simple question. L'État, en ce moment, subventionne les entreprises privées pour les contrats d'apprentissage. Je voulais savoir, pour parfaire ma décision sur cette délibération, si tel était le cas quand il s'agit d'une collectivité territoriale, s'il vous plaît. Alors, il y a 8 000 euros d'aide, par exemple, pour une entreprise qui embauche un apprenti. Alors, il y a un tableau qui est joint, me dit-on, que je n'avais pas eu au départ. Hein, donc, sur, justement, la rémunération au titre des années... non mais d'accord, je vous dis deux mots. Hein, donc il y a un dispositif qui fait que, évidemment, hein, la rémunération versée est inférieure pour tenir compte hein, de la situation d'apprentissage de la personne concernée. Alors, à ma connaissance, mais je ne suis pas DRH, hein, donc là-dessus je ne vous répondrai peut-être pas bien, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif de l'État actuellement dont on est bénéficiaire. Mais je poserai la question hein, à M. Bali qui se fera un plaisir de nous répondre plus précisément. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole sur cette délibération hein? L'élément essentiel, c'est surtout d'approuver le principe
hein, pour que nous puissions ensuite accueillir au sein de nos services hein, des jeunes, des personnes qui sont en forme, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, ça peut être des personnes qui plus tard vont reprendre leurs études et qui souhaitent se former dans un domaine particulier, hein, pour que nous puissions les accueillir dans des conditions de qualité au sein de notre collectivité, pour les former, les enrichir bien sûr, hein, d'un apprentissage qui est utile, mais également pour enrichir nos services aussi hein, sur certaines missions qui nous paraissent pouvoir être exécutées ou en tout cas qui nous paraissent pouvoir être bien complétées par l'apport de ces personnes. Alors, est-ce que il y a des gens qui s'opposent à la délibération? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur cette délibération? Donc, elle est approuvée à l'unanimité et je vous en remercie. Délibération numéro 18, qui est relative à une convention d'objectifs et de financement entre la Caisse d'allocation familiale et des établissements d'accueil jeunes enfants, la commune de Valoris, la prestation de service unique PSU, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap, et je donne la parole à Madame l'adjointe à l'éducation. Je vous remercie. Le contrat enfant-jeunesse actuel, dit de quatrième génération pour les années 2018 à 2021, définit et encadre les modalités d'intervention et de versement des prestations de services uniques via une convention d'objectifs et de financement spécifique et complémentaire aux aides traditionnelles de la CAFAM. Ce contrat enfant-jeunesse contribue au développement de l'offre d'accueil destinée aux jeunes enfants en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant son efficience. La branche famille de la Sécurité sociale poursuit une ambition volontariste en faveur de l'accès à tous les jeunes enfants en mode d'accueil dans un double objectif de conciliation de la vie familiale et vie professionnelle et de l'investissement social. Le contrat de quatrième génération favorise le développement de l'offre d'accueil en direction de tous les publics via les orientations ci-dessous. Les structures d'accueil en direction de la petite enfance, la communication aux familles, la formation des agents, le pilotage du dispositif assuré par un coordinateur petite enfance et jeunesse, le maintien d'une politique tarifaire modulée permettant notamment l'accessibilité pour tous. À ce titre, la CAFAM soutient l'activité des établissements d'accueil du jeune enfant et fait de l'accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté l'une de ses priorités. La CAF propose donc une nouvelle version de cette convention qui maintient les objectifs fixés pour la prestation de service unique et qui développe des objectifs par le biais du bonus mixité sociale et inclusion handicap. La prestation de service unique est une aide au fonctionnement des établissements d'accueil du jeunes enfants et correspond à la prise en charge du prix de revient horaire dans la limite du prix plafond fixé par la Caisse nationale d'allocation familiale, déduction faite des participations familiales. Les modalités de versement des bonus s'effectueront de manière concomitante à la PSU. À ce titre, des schémas de développement spécifiques aux différentes structures et actions éligibles fixent les aspects quantitatifs, qualitatifs et financiers sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. C'est en ce sens que le Conseil municipal est saisi afin d'autoriser Monsieur le maire à régulariser chacune des conventions relatives aux différentes structures telles que jointes à la présente pour les structures de Loupitchoun, Les Clos, La Farandole et Les Petits Cœurs. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, madame. Je tiens juste à dire un mot, hein, moi, qui me touche particulièrement sur cette nouvelle convention. Hein, c'est notamment l'article 1.2 qui concerne les objectifs poursuivis par le bonus inclusion handicap. Et à mon avis, nous serons tous sensibles, très sensibles même, à l'objectif poursuivi par cette convention, parce qu'il s'agit ni plus ni moins hein, que de favoriser l'inclusion des jeunes enfants handicapés dans les services de droit commun, hein, l'idée étant bien entendu qu'au lieu d'être exclus comme ils le sont parfois ailleurs ou même ici malheureusement, hein, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de faire les choses, hein, on favorise cette inclusion. C'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement. Hein, c'est dramatique déjà de souffrir pour un enfant d'un handicap et ça l'est encore plus d'être exclu d'un système éducatif, d'un système scolaire, périscolaire, et donc voilà, je souhaitais vraiment mettre l'accent sur ce point, hein, il est déterminant, vraiment là, dans la convention, on a quelque chose d'extrêmement important, et je pense qu'il y a un vrai enrichissement pour les enfants en situation de handicap eux-mêmes, mais également pour les autres, hein, qui seront amenés à côtoyer davantage les enfants handicapés, en tout cas, on aura une meilleure inclusion de ces enfants
qui, trop souvent, hélas, se trouvent exclus du circuit. Et là, on va vraiment pouvoir travailler activement, hein, dans le cadre de cette convention, à une meilleure inclusion de ces enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Tivoli, vous souhaitez la parole ? Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant le bonus inclusion, mais dans cette délibération, il nous est demandé de vous autoriser à signer les conventions d'objectifs et de financement de la CAF et l'établissement d'accueil du jeune enfant, qui inclut notamment le bonus mixité sociale. Ce bonus mixité sociale permet aux crèches d'obtenir un versement de la CAF en bonus s'ils jouent, en quelque sorte, le jeu de la mixité sociale. Il est indiqué d'ailleurs dans le contrat que l'objectif poursuivi par ce bonus mixité sociale est de garantir des places pour les enfants dont les revenus des parents sont inférieurs au montant du RSA, autrement dit, à des enfants dont les parents ne travaillent pas, soit. Le nombre de places en crèche dans notre commune est d'environ 230. Des enfants sont déjà sur la liste d'attente. Ne faudrait-il pas prioriser justement l'intégration d'enfants dont les parents travaillent et pour lesquels ils n'ont pas d'autre solution que les placer en crèche dans notre commune? Je crois qu'ils sont nombreux et sur liste d'attente. Par ailleurs, je veux vous alerter sur l'effet que je crois pervers de ce bonus, parce que le problème est le suivant. Dans la mesure où la participation moyenne de l'ensemble des familles fréquentant la crèche, c'est ce qui est pris en compte, une poignée de familles à haut revenu peut a priori considérablement augmenter cette moyenne et exclure des EAJE, des EAJE du bonus, quand bien même ils accueilleraient 50% d'enfants de familles pauvres. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu que plusieurs opérateurs du secteur de la petite enfance continuent de manifester des réserves émises dès qu'a été connu le mode de calcul utilisé pour attribuer ce dernier bonus. Car pour eux, pour les opérateurs du secteur de la petite enfance, ce bonus mixité sociale porte mal son nom, et je suis tout à fait d'accord avec eux, puisqu'il ressemblerait davantage à une prime à la ghettoisation. Seuls les établissements qui accueillent une large majorité d'enfants de familles à bas revenus ou en situation de pauvreté peuvent en bénéficier. Ceux qui accueillent une part importante de familles démunis tout en accordant des places aux familles les plus aisées, ce qui semble bien répondre à la définition de la mixité sociale au final, soit à la cohabitation sur un même espace de groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Je crois qu'au vu de cette démonstration, le bonus de mixité sociale, qui, je le rappelle, est versé aux EAJE et donc n'induit aucune réduction sur le coût pour les parents dits vulnérables, est au contraire une incitation financière à la ghettoisation. Il prive les enfants des familles vulnérables de fréquenter les enfants des familles des familles un peu plus aisées, et vice-versa. La mixité sociale, ce n'est pas ça. On attend une vraie mixité sociale, à ce qu'ils puissent se fréquenter entre eux. Je trouve que c'est encore une invention marketing de la gauche qui, ajoutée aux millions d'euros versés pour les quartiers prioritaires de la ville, est un concept qui est idéologique, mais qui est un échec réel. Ça me gêne donc sur cette délibération. Je vous remercie. Alors, monsieur Tivoli, juste un petit point. Donc, vous avez critiqué ce point relatif à la mixité sociale. C'est le point 1, enfin, c'est le point 1.3 de la Convention. Je souhaite juste dire une chose, hein, c'est pas simplement réserver des places pour les personnes qui sont au RSA ou qui ont des revenus inférieurs au RSA, c'est pour des personnes qui s'inscrivent dans un parcours d'insertion sociale, c'est-à-dire des personnes qui font un effort dans le cadre de ce parcours pour s'insérer ou se réinsérer. Hein, donc c'est pas on va ouvrir les vannes en mettant des personnes, les enfants des personnes à bas revenus. C'est plutôt un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville, où on va avoir un parcours d'insertion sociale qui est destiné à permettre à ces personnes de sortir de leur situation et donc de leur apporter une aide ponctuelle. Hein, c'est une place pour par tranche de 20 places. On n'est pas là dans une multiplication par des centaines de places. On est tout simplement dans un coup de pouce qui va être fait à des gens qui sont déjà en grande difficulté, qui essaient de s'insérer puisqu'ils ont accepté de faire un parcours d'insertion sociale ou professionnelle, et donc de gens qui ont vocation justement à sortir de cette situation que vous dénoncez, sur laquelle on est d'accord. C'est pas la situation que je dis. Non, mais on dénonce qu'ils sont dans une situation aussi défavorable, et donc le but de ce parcours, c'est justement qu'ils en sortent
Et je pense, moi je suis assez d'accord avec vous sur le principe qu'on ne va pas ouvrir tout simplement en disant bah, tous ceux qui ont des bas revenus, ouais, ils sont prioritaires, ou ceux qui ne travaillent pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt même le contraire. C'est des gens qui sont sur le parcours, un parcours vers le retour à l'emploi et qui doivent être aidés, à mon sens, plutôt que d'être entravés dans ce parcours, hein, parce que c'est bénéfique pour eux, mais c'est bénéfique aussi pour la collectivité s'ils sortent de leur situation particulièrement précaire telle qu'elle est définie ici. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ou observations ? Alors, je vous demande de m'autoriser à signer les conventions d'objectifs et de financement avec la CAF. Je vous demande de m'autoriser à solliciter auprès des services de la CAF le versement de toute subvention soldée à compte possible. Et je vous demande de prendre acte que les recettes y afférentes seront versées aux budgets communaux correspondants. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, approbation à l'unanimité. Je vous en remercie. Ordre du jour numéro 19. Un avenant à la convention d'objectifs et de financement entre le relais des assistants maternels, des prestations de services et la CAF des Alpes-Maritimes. Et je donne la parole à Madame l'adjointe à l'éducation. Merci. Le relais assistante maternelle est un espace social qui a pour vocation de contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil individuel de l'enfant de moins de 6 ans. Lieu d'échange, il est destiné aux parents et aux assistants maternels. Les missions du RAM sont favoriser les échanges entre les enfants, les parents et les assistants maternels, organiser l'information des parents et des assistants maternels, entrer en contact avec les personnes non agréées faisant fonction d'assistante maternelle, susciter et promouvoir les formations d'assistants maternels, organiser des temps d'animation destinés aux enfants et leurs assistants maternels, accompagner les parents dans leur démarche d'employeur et concourir à la lutte contre l'isolement des jeunes parents et des assistants maternels. Ces prestations de services permettent la prise en charge des dépenses de fonctionnement de services et d'équipements sociaux par la Caisse nationale d'assurance familiale. L'avenant 2020 à la Convention d'objectifs et de financement poursuit cette ambition volontariste. La convention initiale reste inchangée à l'exception des modalités d'acompte versées. À compter de 2020, deux acomptes seront versés. Un acompte de 40% du montant des droits prévisionnels de l'année N à la transmission des données prévisionnelles avant la transmission des données définitives de l'année N-1. Et un deuxième acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés de l'année N ne dépasse pas 70% du droit prévisionnel après la transmission des données définitives de l'année N-1. Des modifications concernant les montants d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception des données actualisées de l'année N. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie. Ce qui est proposé au Conseil municipal, c'est donc de m'autoriser à signer l'avenant 2020 de la convention d'objectifs et de financement jointe à la présente. C'est de m'autoriser à solliciter auprès des services de la CAF le versement de toutes les subventions possibles. Et c'est d'indiquer que les recettes en résultant seront versées sur les budgets correspondants. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Ordre du jour numéro 20. Convention d'objectifs et de financement entre la CAF, le lieu d'accueil enfants-parents de la commune de Valoris-Colfe-Jouan avec un avenant 2020. Madame Rioton, vous avez la parole. Les lieux d'accueil enfants-parents sont un espace qui accueille de manière libre et sans inscription de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent. Le LAEP a pour objectif généraux de conforter la relation parent-enfant en revalorisant le rôle et les compétences des parents, de favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant en permettant la mise en évidence de ses compétences, d'être un lieu tiers intermédiaire permettant aux enfants une socialisation, d'être un lieu de prévention de l'isolement social et d'élaboration de nouvelles solidarités, d'être un lieu de prévention précoce des troubles de la relation enfant-parent. Le LAEP est soutenu par la prestation de services de la branche famille de la CAF. En ce cadre, une convention a été signée en 2015 entre la CAF et la commune de Valoris-Golfe-Juan. La CAF souhaite revoir les modalités de versement des prestations définies dans la convention initiale. Il convient donc de prévoir la signature d'un avenant qui modifiera l'article 2 de la convention relative au versement de la prestation de services. Selon les modalités de versement de la prestation sont impactées, la convention initiale de 2015 reste applicable. Ce nouveau régime est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le premier et le deuxième acompte seront versés à l'identique de la délibération précédente. Je rends donc la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie. Donc, en conséquence, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer l'avenant 2020 à la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et le lieu enfants parents de notre commune, projet de convention qui est joint à la présente, qui est joint à la présente. Je vous propose de m'autoriser à solliciter auprès des services de la CAF le versement de toute subvention relative à cet avenant. Et je vous propose d'indiquer que les recettes afférentes seront versées aux budgets communaux. Quelqu'un souhaite-t-il la parole ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Ordre du jour numéro 21. Il s'agit donc d'une régularisation foncière, d'une cession de l'emprise de voirie qui est située sur un certain nombre de parcelles de l'avenue des Mimosas. Et après avoir donné la parole à Madame l'adjointe à l'urbanisme, je la reprends puisque je la représente. Alors, il y a quelques années, des travaux d'aménagement ont été réalisés sur l'avenue des Mimosas à Golfe-Juan, voirie communale qui relève naturellement du domaine public et qui a fait l'objet d'un élargissement de la chaussée. À ce titre, eh bien, il convient de régulariser la situation d'une partie de la chaussée qui constitue une emprise sur une propriété appartenant à des administrés. Donc, ces emprises concernées sont cadastrées section AS258 dans sa totalité et AS473 pour partie. Les propriétaires desdites parcelles ont donné leur accord écrit date des 13, 17, 18 et 22 juin 2020 pour la mise en œuvre des démarches de rétrocession à l'euro symbolique au bénéfice de la commune de Valoris. Un géomètre est intervenu, il a été mandaté pour réaliser un document d'arpentage et de division parcellaire. Les parcelles objets de la présente seront donc intégrées au domaine public, et il n'a pas été nécessaire de consulter les domaines au regard de la modicité du montant de la transaction. Ce qui vous est demandé, compte tenu de ce que je viens d'exposer, c'est d'approuver l'acquisition des parcelles représentant l'emprise de la voirie d'environ 84 mètres carrés sur les parcelles susvisées pour un euro symbolique, frais d'acte évidemment en charge de la collectivité. Les dites acquisitions seront intégrées au domaine public communal. Il vous est demandé également de m'autoriser à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces, actes et documents afférents. Et il vous est demandé de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Donc, hors du jour numéro 22, là encore, il s'agit d'une incorporation de parcelles cadastrées dans le domaine public de la commune. Là encore, après avoir donné la parole à l'adjointe à l'urbanisme, je la reprends immédiatement. Alors, dans cette délibération, il est question de la réalisation. Il a été question de la réalisation d'un acte authentique du 3 juillet 2019, qui avait été autorisé par une délibération. Et la commune, par le biais de cet acte, avait acquis deux voiries. D'une part, une emprise foncière de 1164 mètres carrés située sur l'avenue Jean Moulin, parcelle cadastrée section BZ410. Et d'autre part, une emprise foncière de 1139 mètres carrés environ, située sur l'avenue Paul de Rigon, parcelle cadastrée BZ409. Donc le code de la voirie prévoit que cette voirie relève naturellement du domaine public communal et il apparaît nécessaire d'adopter par délibération l'intégration formelle de ces parcelles qui ont déjà été acquises, je vous le rappelle, dans le domaine communal. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'approuver l'incorporation des parcelles cadastrées BZ409 et BZ410 dans le domaine public communal. Pas d'observation ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Ordre du jour numéro 23.
donation à la commune d'une édition céramique de Picasso et d'un document. Et je donne la parole à monsieur l'adjoint aux affaires culturelles. L'association des Amis du Château-Musée souhaite faire don à la commune d'une œuvre. Il s'agit de l'œuvre suivante. Pablo Picasso, plat Jacqueline au Chevalet, édition céramique, numérotée 197/200, datée 1956. La valeur estimée de cette œuvre est de 35 000 euros. Tel qu'indiqué au courrier de cette association en date du 4 août 2020, cette donation a pour vocation d'enrichir les collections de la ville et renforcer la section de céramique du musée Magnelli, musée de la céramique. Cette donation, n'est grévée ni de conditions ni de charges. Monsieur Michel Ribeiro souhaite faire également une donation à la commune. Il s'agit d'une affiche publicitaire du syndicat des fabricants de poteries culinaires de Valoris. Cette œuvre affiche a une valeur essentiellement historique et de constitution des archives de la commune. Elle est estimée à 50 euros. Cette donation n'est grévée ni de conditions ni de charges. Je rends la parole à monsieur le maire. Merci monsieur. Donc en conséquence, il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à accepter les donations. J'avais besoin chez moi d'un plat de Picasso, donc je vais pouvoir l'installer. Non. Je préfère dire que je plaisante parce que sait-on jamais, il pourrait y avoir des mauvais esprits. Donc évidemment, cette donation va être acceptée si vous l'approuvez et elles seront intégrées naturellement au patrimoine communal et affectées bien entendu aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique. Qui veut prendre la parole ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est approuvée à l'unanimité. Merci. Ordre du jour numéro 24, acceptation d'un legs céramique de la manufacture Massier. Et je redonne la parole à monsieur l'adjoint à la culture. Merci monsieur le maire. Par courrier électronique en date du 8 septembre 2020, l'étude notariale de maître Hélène Aumin, notaire associée à Paris, a informé la commune de Valoris-Golgion que madame Huguette Nicolas, décédée le 26 mai 2020, lui avait légué par testament en date du 13 décembre 2012 une œuvre dénommée « Complet au Lion » lui appartenant, en souvenir de la famille Pratt-Nicolas Huguette. Ce legs avait été accepté par M. Alain Gumiel, alors maire de la commune de Valoris-Golgion, par courrier en date du 16 février 2012. Compte tenu de l'estimation du bien, il conviendra de procéder à une délivrance de legs. L'œuvre est destinée aux collections du musée municipal et est estimée à 5 000 euros. Suite au décès de Mme Huguette Nicolas, il est demandé au conseil municipal d'accepter ce legs et de l'affecter aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique. Je donne la parole à M. le maire. Merci. Donc, ce qui est proposé, évidemment, c'est d'accepter ce legs et d'accepter le principe de son intégration au patrimoine communal pour affectation aux collections du musée Magnelli. Il est demandé également de m'autoriser à signer tous les actes et documents qui sont en rapport avec la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Ordre du jour numéro 25, régularisation et affectation d'œuvres acquises ou données à la commune, avec là encore une intégration au patrimoine communal. Et je redonne la parole à monsieur l'adjoint à la culture. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des éditions précédentes de la Biennale internationale de céramique contemporaine, des céramiques ont été données à la commune par des artistes ou achetées. Les dons sont constitués des œuvres suivantes. Ouse Agnès Bouton, 2011, d'une valeur de 500 euros. Shigeki Hayashi, 006-2011, d'une valeur de 12 000 euros. Atelier Polyphèdre. Vase clé moderne, 840 euros. Vase clé ancienne, 640 euros. Vase clé vachette, 720 euros, d'une valeur totale de 2200 euros. Les prix sont constitués des œuvres suivantes. Mathieu Lehaneur, Claude Aiello, L'âge du monde, Japon, vers 2009, prix du design, 2010, d'une valeur de 5000 euros. Patusinska Monica, From the Series, Transformed, plus 2011, prix du contenant 2012, d'une valeur de 2000 euros.
Peño Velasco Gregorio, Forme Habitata, 2011, prix du jeune céramiste de moins de 35 ans, 2012, d'une valeur de 2200 euros. Baudry Montclair et le son Pierre-Yves, Sur les toits, 2012, prix du design 2012, d'une valeur de 5000 euros. Gilbert Dragic Elisabeth et Claude Aiello, Fragment d'épines, 2012, d'une valeur de 7000 euros. Rumeau Adrien Tillès, 480-4810-45, 2011, Grand Prix Execo 2012, d'une valeur de 9800 euros. Brillet Elisabeth, l'Exode, 2011, Grand Prix Execo 2012, d'une valeur de 30 000 euros. Alberghina Marc, Autocombustion Spontanée, 2016, Grand Prix 2016, d'une valeur de 16 000 euros. L'achat est constitué de l'œuvre suivante. Yoshikawa Masamichi Iwakura, 2011, d'une valeur de 10 000 euros. Il convient de régulariser l'affectation de ces œuvres dans les collections municipales. Je donne la parole à M. le maire. Je vous remercie. En conséquence, il est demandé de m'autoriser à accepter les dons visés, là encore pas pour mon salon, mais bien entendu pour la commune, et de dire que ces œuvres seront intégrées au patrimoine communal et affectées aux collections du musée Magnelli, musée de la céramique. Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour numéro 26, musée Magnelli, musée de la céramique, organisation d'une exposition estivale. Je redonne la parole à monsieur l'adjoint à la culture. Merci monsieur le maire. Un catalogue sera publié à cette occasion, incluant un catalogue des œuvres exposées et des textes de spécialistes de cette période. Une campagne photographique des œuvres sera également réalisée. L'exposition fera également l'objet d'une campagne de communication valorisée par un accompagnement en relation presse et en création graphique. Je redonne la parole à monsieur le maire. Alors, la délibération, elle porte sur l'acceptation de l'organisation au musée de l'exposition thématique Valorise Ville Atelier, de 26 juin 2021 au 31 octobre 2021, en espérant évidemment qu'à ce moment-là, nous serons débarrassés des contraintes sanitaires. Donc, ce qui vous est demandé, hein, c'est d'accepter le principe de l'organisation de cette manifestation, d'accepter également la prise en charge des frais, notamment aux frais de voyage des personnalités, frais des auteurs de catalogues, frais pour les prêteurs d'œuvres, etc., qui vont collaborer à ce projet. Financement aussi des frais pour les journalistes dans le cadre d'une campagne de communication avec un montant plafonné à 6 000 euros. Je vous demande également de m'autoriser à signer tous les documents et toutes les conventions qui sont relatives à cette manifestation, y compris éventuellement des conventions de partenariat, conventions d'organisation, etc. Je vous demande d'autoriser la prise en charge sur le budget communal des dépenses qui sont nécessaires à l'organisation de cette manifestation, qui inclut notamment des frais d'assurance, de transport aller-retour, des œuvres prêtées, d'édition, d'impression du catalogue, de communication de l'expo, de frais de voyage des personnalités pour un montant maximal de 200 000 euros. Je vous demande de m'autoriser à solliciter de l'État, du département, de la région et de tous organismes des subventions et des partenariats sous forme de mécénat. Et je vous dis que les recettes et les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal. Est-ce qu'il y a des questions, observations sur cette délibération ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 27. Tarification, ouvrages et produits en vente, librairie du musée Magnelli, musée de la céramique. Et je redonne la parole à monsieur l'adjoint à la culture. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la vente de produits culturels à la librairie du musée, il est nécessaire de fixer les tarifs pour les articles en vente. Suite à l'informatisation de la boutique, il est demandé au conseil municipal de confirmer l'ensemble des tarifs en vigueur sur un document unique en annexe de la présente délibération. Je redonne la parole à monsieur le maire. Je vous remercie. Donc, il est demandé au conseil
d'adopter la tarification telle qu'elle est annexée à la présente délibération. Il vous est demandé de m'autoriser à établir et à signer tout document en rapport avec la dite délibération. Et il vous est demandé de dire que les recettes en résultat seront inscrites aux budgets communaux correspondants. Qui souhaite prendre la parole ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 28, ordre Musée Magnelli, Musée de la Terre Céramique, modification tarifaire. La parole à monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la programmation culturelle du Musée Magnelli, Musée de la Céramique, divers événements sont proposés aux visiteurs. Le Musée Magnelli, Musée de la Céramique, propose aux visiteurs de participer au festival Musée Emportable, les invitant à réaliser un film sur leur visite du musée. Les inscriptions au projet débutent lors des journées du patrimoine, 19 septembre 2020. Les projets sont à rendre au 1er février 2021 au plus tard. Il est donc proposé de modifier les conditions tarifaires du musée Magnelli, musée de la céramique. Je redonne la parole à monsieur le maire. Merci. Alors, une délibération dont les conséquences sont limitées. Il s'agit de m'autoriser à accorder la gratuité d'entrée au musée Magnelli, musée de la céramique, pour les seuls participants du festival Musée Emportable, jusqu'au 1er février 2021, à compter de la délibération de ce jour. Les observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 29, encore Musée Magnelli, Musée de la céramique, et toujours des conditions tarifaires. Monsieur l'adjoint, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Le Code du patrimoine qui régit les musées de France impose d'adopter les droits d'entrée de ces musées de manière à favoriser l'accès au public le plus large. Ainsi, il apparaît opportun d'élargir les conditions d'accès et de permettre à tous de découvrir le musée Magnelli et ses œuvres. En conséquence, il est nécessaire de confirmer et fixer les conditions tarifaires spécifiques s'appliquant aux droits d'entrée du musée Magnelli. Celles-ci entrent en application à compter du 1er octobre 2020. Conditions existantes. Plein tarif, 6 euros. Tarif réduit, 3 euros. Seniors, étudiants, groupe à partir de 10 personnes. Gratuité, enfants jusqu'à 18 ans inclus. Habitants de Vallauris-Golgiuan, premier dimanche du mois. Nouvelles conditions proposées. Plein tarif, 6 euros. Tarif réduit, 3 euros. Seniors âgés de plus de 65 ans. Étudiants, groupe à partir de 10 personnes. Enseignants sur présentation du pass éducation. Demandeurs d'emploi, visiteurs avec une carte famille nombreuse, visiteurs pendant les périodes de montage et de démontage d'expositions, visiteurs lors de la fête Picasso et de la fête de la poterie. Gratuité, enfants jusqu'à 18 ans inclus, habitants de Vallauris-Golgiuan, premier dimanche du mois, journalistes sur présentation de la carte de presse, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte ICOM, détenteurs de la carte du ministère de la Culture, détenteurs de la carte de la Maison des Artistes, personnes à mobilité réduite, visiteurs lors des journées du patrimoine et lors de la nuit des musées. Pour les cas qui le nécessitent, ces conditions sont applicables sur présentation d'un justificatif. Il est nécessaire de confirmer et fixer les conditions tarifaires spécifiques s'appliquant au droit d'entrée du musée. Celle-ci entre en application à compter du 1er octobre 2020. Je redonne la parole à monsieur le maire. Merci. Donc, vous l'avez compris, l'objet de cette délibération, c'est à la fois d'étendre le champ du tarif réduit et d'étendre le champ de la gratuité avec de nouvelles personnes qui seront éligibles à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions ou observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 30, éducation artistique et culturelle. Délibération cadre, convention entre la commune, la direction régionale des affaires culturelles et le ministère de l'Éducation nationale. Là encore, la parole est à monsieur l'adjoint à la culture. Je vous remercie, monsieur le maire. La ville de Vallauris-Golgiuan souhaite développer le parcours d'éducation artistique et culturelle. La nouvelle organisation territoriale de la République affirme le caractère partagé de la compétence culturelle en la mettant au cœur des missions des labels du ministère de la Culture. Ainsi,
la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la convention interministérielle au profit des habitants des quartiers populaires permettent la mise en place d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce parcours a pour but le développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents. Dans cette démarche, une convention cadre pour l'éducation artistique et culturelle a été établie entre la Direction régionale des affaires culturelles et la région académique. Ce dispositif a pour but de permettre l'accès à l'ensemble des jeunes d'âge scolaire à ce parcours d'éducation artistique et culturelle, d'éducation aux médias et à l'information. Il participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques dans le domaine du spectacle vivant, des arts visuels et du patrimoine. Ceci dans le cadre des enseignements, des projets spécifiques et d'actions éducatives dans une complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, conformément aux valeurs définies par la ville qui mobilisera les ressources et équipements culturels nécessaires à leur mise en œuvre. Dans ce cadre, et afin d'aider à la réalisation de ce projet, une convention doit être passée entre l'État, représenté par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le recteur de l'Académie de Nice, la Direction régionale des affaires culturelles, la communauté d'agglomération Sophie Antipolis et la ville de Vallauris-Golbjouan. Cette convention pourra permettre le dépôt de dossiers de candidature pour des demandes de subventions. D'autres organismes pourront être sollicités par ailleurs pour des partenariats et des financements. Je redonne la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie. Donc vous l'avez compris, le but c'est évidemment cette convention d'éducation artistique et culturelle, c'est d'offrir aux enfants de notre commune une initiation et une participation, une véritable éducation en matière artistique et culturelle, qui est naturellement un facteur d'enrichissement en termes d'éducation pure, mais également d'enrichissement personnel pour les jeunes de notre commune à travers cette convention qui est conclue entre les différents protagonistes qui vous ont été cités. Il vous est demandé d'accepter le principe de la mise en œuvre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, d'éducation aux médias et à l'information et d'approuver la signature des conventions annexées à la présente délibération. Il vous est demandé également de m'autoriser à signer tous les documents utiles à la mise en place de ce parcours d'éducation et notamment les conventions qui sont annexées à la présente délibération ainsi que les renouvellements de ces conventions. Il vous est demandé de m'autoriser à solliciter de l'État, de la Direction régionale des affaires culturelles, de la communauté d'agglomération et de tout autre organisme des subventions et des partenariats financiers. Il vous est demandé enfin d'indiquer que les recettes et les dépenses en résultat seront inscrites au budget communal correspondant. Y a-t-il des prise de parole souhaitée ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approbation à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, il semblait qu'il y avait une 31e délibération. Je ne l'ai pas. Si tu veux pas me la donner, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, merci. Donc c'est une délibération qui est relative au bureau information jeunesse de Vallauris-Golbjouan et plus précisément qui tend à l'approbation du règlement intérieur relatif à l'utilisation de l'espace municipal numérique. Et sans plus attendre, je donne la parole à monsieur l'adjoint à la jeunesse et au sport. Merci monsieur le maire. Alors l'objet, bureau information jeunesse de Vallauris-Golbjouan. Règlement intérieur relatif à l'utilisation de l'espace municipal numérique. Le Bureau Information Jeunesse, le BIJE, de Vallauris-Golbjouan, dispose d'un espace numérique équipé de 4 postes informatiques, avec un accès Internet gratuit et des services de scanner, photocopie, impression. L'utilisation du cyberespace municipal, matériel, logiciel et accès Internet, est conditionnée par la lecture, l'acceptation et la signature du règlement intérieur, lequel est affiché en permanence dans les locaux du BIJE. Tout contrevenant à ce règlement d'utilisation est passible de radiation de l'espace public numérique de Vallauris-Golbjouan. Lors de leur première visite, les usagers doivent obligatoirement présenter une pièce d'identité dont la photocopie sera jointe à la fiche d'inscription dûment remplie. L'accès au cyberespace est réservé aux personnes préalablement inscrites.
Conformément au règlement général européen de la protection des données, les usagers doivent signer le registre de consentement et la conservation de leurs données est d'un an. Il est joint à la présente le règlement intérieur et la fiche d'inscription qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter. Je rends la parole à monsieur le maire. Je vous remercie monsieur l'adjoint. Donc, il est demandé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de l'espace municipal numérique du bureau information jeunesse, hein, tel qu'il est annexé à la présente délibération. Il est demandé également de m'autoriser à signer tous les documents utiles à la mise en place de ce règlement et à prendre toute mesure sur ce fondement. Y a-t-il des demandes de parole ? Madame Cantoni ? Après ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons épuisé notre ordre du jour, mais il y a, je crois, un certain nombre de demandes de parole de la part de M. Tivoli, de la part de Mme Cantoni et peut-être d'autres personnes. Alors, Mme Cantoni. Alors, dès le début du conseil municipal, vous avez pris la liberté d'aborder deux points en dehors de l'ordre du jour. Nous notons que les conseillers minoritaires n'ont donc pas cette liberté, puisque vous nous laissez uniquement faire des remarques en fin de conseil. Donc j'avais quelques mots à adresser à l'ensemble des membres du conseil municipal, justement ce soir. Donc lors du conseil municipal du 20 juillet 2020, notre groupe est intervenu sur une délibération très importante concernant les délégations données par le conseil municipal au maire. Lorsque, vous savez peut-être, mais le conseil municipal a des compétences et ces compétences peuvent être transférées au maire, donc dès le début du mandat, pour qu'il signe en fait directement tout seul certains actes qui concernent la vie de la commune tout simplement. Nous considérions qu'un certain nombre de ces délégations n'étaient pas conformes à la législation, puisque ne mentionnant pas les conditions ou les limites de leur exercice par le maire. Monsieur Luciano a balayé nos remarques en se moquant même de notre manque de compétences juridiques par rapport aux siennes. C'était pas sur ce point-là. Suite, vous pouvez me laisser terminer, merci beaucoup. Bien sûr. Suite au refus du report de la délibération et à un vote de la seule majorité, nous avons donc été contraints de déposer un recours auprès de la préfecture qui nous a suivis sur plusieurs points importants. La préfecture demande ainsi à Monsieur Luciano de rectifier certains pouvoirs illégaux. Parallèlement, elle utilise le thème extrêmement large pour parler des pouvoirs sur lesquels nous vous avions alerté. Nous nous félicitons de la position de la préfecture qui nous permet de rappeler que la ville a déjà connu les expériences malheureuses des emprunts toxiques ou du contrat parking suite à une concentration des pouvoirs sur un seul homme. Nous espérons que la parole des élus minoritaires sera désormais écoutée, peut-être pas en fin de conseil municipal à chaque fois, mais avec un peu plus de respect, et nous souhaitons savoir quand et comment cette nouvelle délibération sera soumise au conseil municipal puisqu'elle n'est pas présente à l'ordre du jour. Alors, madame, je me félicite que vous vous réjouissiez de cette victoire. On a les victoires qu'on peut dans la vie. Donc, vous en avez acquis une qui est bien modeste, me semble-t-il, mais on va vous en rendre justice. Juste un point, vous avez dit que je m'étais moqué de vos compétences juridiques, ce n'est pas le cas. Je m'étais simplement permis de vous reprendre lorsque vous parliez d'un contrat de collaborateur bénévole en disant que la gratuité annulait ou faisait disparaître la qualification de contrat, ce qui n'était pas le cas. Sur les observations que vous aviez faites, je n'avais pas parlé de vos compétences de juriste. Je vais être beaucoup moins élogieux que vous sur la victoire dont vous vous prévalez. On ne peut pas dire que ce soit une victoire prométhéenne. Prométhée offre le feu aux hommes. Bon, vous ne sauvez pas la démocratie à Valouris, excusez-moi de vous le dire, même si vous en avez peut-être l'impression. Alors, vous avez soulevé effectivement un certain nombre d'observations en reprochant à la délibération donc relative à la définition des pouvoirs
qui sont délégués par l'article 21.22-22 du Code général des collectivités territoriales. Et il me semble que vous souleviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Hein, donc 12 raisons selon lesquelles, pour lesquelles, selon vous, la délibération serait illégale. En réalité, les observations de la préfecture ne sont que très modestes. Elles portent sur 3 points. Premier point, donc la question des tarifs où il est reproché de ne pas avoir de limite. Bon, d'accord. Point 22, hein, donc droit de priorité, il n'y a pas de condition d'exercice. Donc là non plus, je ne me suis pas arrogé des prérogatives exorbitantes que je chercherais à mettre en œuvre dans le dos du conseil municipal. Et enfin, donc 27e, donc là encore, en matière de demande d'autorisation d'urbanisme pour les biens municipaux, il n'y aurait pas de limite. Et Madame la sous-préfète prend soin d'indiquer que la délibération doit soit préciser les limites, soit, nous dit-elle, indiquer qu'il n'y en a pas. Donc la seule chose que je n'ai pas faite, c'est de dire sur ce point, qui est un point infinitésimal, hein, on parle vraiment d'un petit, une petite poussière de compétences dans un coin, je n'ai pas fixé de limite. Alors, pour vous satisfaire, Madame Cantoni, parce qu'il nous est agréable de vous faire plaisir, et parce que ça fait plaisir aussi peut-être à Madame la sous-préfète, même si quand je l'ai eue au téléphone, bon, elle était un peu, on va dire, un peu moqueuse sur ce point, en nous disant finalement, bon, c'est des détails, il y a eu une demande qui a été faite, essayez de faire une petite correction, ça leur fera plaisir, hein, voilà les mots qu'elle employait, bon, un peu, bref. Alors, vous nous reprochez ces choses-là. Madame le sous-préfet est beaucoup plus mesurée que vous, hein, puisqu'elle nous parle de ces trois petites poussières de points qui seraient problématiques. Alors, je me permets d'attirer votre attention, et sans mettre en cause mes services, qui sont excellents, la délibération que vous attaquez, en réalité, il y a exactement la même à Antibes, exactement, puisque la personne qui s'est chargée de la rédaction des délibérations a repris cette délibération qui n'a pas été contestée par personne et qui est pleinement opérante. Et il y a les mêmes délibérations, on a vérifié, dans un certain nombre d'autres communes du département. Alors, je ne suis pas en train de confisquer la démocratie. On a tout simplement appliqué ce qui se fait plus ou moins partout sans excéder les droits qui nous sont reprochés. Alors, comme je l'ai dit, pour vous complaire et pour nous satisfaire tout le monde, eh bien, on fera revoter une délibération en temps venu. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Là aussi, c'est Madame la sous-préfète qui nous l'a dit. Elle nous a dit qu'il faudra veiller à un moment à vous mettre en conformité avec ces trois petits points qui sont soulevés. Hein. Donc, aucun risque pour la démocratie à Valoris, je tenais à vous le dire, et à vous rassurer, à rassurer l'Assemblée délibérante. Hein. Vous serez amené à nouveau à statuer. Hein. La même chose se fait en Tibes, la même chose se fait ailleurs. N'ayez pas peur. Hein, on n'a pas usurpé des droits qui sont exorbitants. Hein, on a tout simplement appliqué une délibération qui est extrêmement classique partout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions ? J'aimerais juste répondre un petit peu. Répondez. Moi, je ne parle pas de victoire, en fait. Hein, je ne suis pas là en train de dire que j'ai gagné contre vous, quoi que ce soit. Vous avez un petit... Non, pas du tout, monsieur Luciano. Non, ce n'est pas un revanche. Ce n'est pas du tout une revanche. Et quand vous parliez des trois points... entre guillemets modeste, c'est des trois points qui rendent la délibération illégale. Donc que ça se fasse dans d'autres communes, effectivement, ça se fait dans d'autres communes. On est content, nous, d'avoir mis en évidence cela. Ensuite, les autres communes n'ont pas forcément les mêmes limites, en fait. Et nous, ce qu'on parle, c'est aussi des limites. Et là, on est sur des limites extrêmement larges, où clairement, vous avez tous les pouvoirs. Et il y a très peu de limites, c'est-à-dire que en fait, le conseil municipal ne sera jamais plus consulté sur ses délibérations, sur ses délégations. Alors, juste donc, une précision, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer. Ce que Madame le sous-préfet a dit, il y a tout à fait possibilité d'indiquer qu'il n'y a pas de limite. Mais ça, c'est votre volonté dans ce cas-là. C'est votre volonté et c'est la volonté de votre conseil municipal de vous donner tous les pouvoirs. Nous, on est juste là à dire que quand on a donné tous les pouvoirs à Valoris Golfe Juan, et non pas, moi je me préoccupe pas de ce qui se passe dans les autres communes, quand on a donné tous les pouvoirs à une seule personne dans le passé, il s'est passé des choses qui sont tout simplement, se sont fait au détriment de la population. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire. Et je vais reprendre vos mots. Force doit revenir à la loi. Voilà. Alors, juste une précision. Il ne s'agit pas d'avoir tous les pouvoirs, puisque la preuve, on a passé
environ 4h30 ce soir en conseil municipal. Si j'avais tous les pouvoirs, il n'y aurait pas de conseil municipaux. On ne délibérerait pas, je prendrais toutes les décisions. Donc ne caricaturons pas les choses. Vous avez les 29 pouvoirs qui sont possibles, c'est-à-dire les compétences, toutes les compétences que le conseil municipal peut vous transférer. Vous les avez, monsieur Luciano. Je les ai en Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de limite, eh ben alors dites-le. S'il n'y a pas de limite, dites-le. Mais nous, on dit que c'est dangereux. C'est tout. Je les ai en application de la loi et en application de la délibération de l'Assemblée que nous représentons. À l'Assemblée qui a été élue par nos concitoyens. Je suis entièrement d'accord donc avec si, vous, mais si nous faisons notre rôle d'élu. Pardonnez-moi, je finis ma phrase, s'il vous plaît. Si nos concitoyens considéraient que je ne devais pas avoir ces pouvoirs, ils ne m'auraient pas élu, ils vous auraient élu. Vous vous êtes présenté plusieurs fois, ils n'ont pas souhaité vous élire. Vous n'avez pas mis c'est ça dans votre programme, monsieur Luciano. C'est parce qu'ils considéraient, certainement... Peut-être que je me mais trompe. Peut-être que vous mais ne faites pas confiance à votre conseil municipal parce qu'en fait. Que je sois élu, que mais vous... peut-être que vous ne faites pas confiance à votre conseil municipal. Nous sommes pas en train de dire qu'il faut limiter les pouvoirs de la commune, que on peut effectivement dépenser de l'argent pour des actions en justice, pour préempter tous les commerces, etc. Nous sommes pas en train de dire vous ça. Avez vu que sur les nous sommes juste en train de d'accord. dire que on peut juste limiter les sommes engagées. Par vos simples faits, par votre seule signature, en repassant par votre conseil municipal. Donc pour nous, c'est que vous n'avez pas confiance en votre conseil municipal. Madame, voilà, c'est tout. Ce n'est pas du tout un problème. Et je m'arrêterai là. Alors, très bien, moi je vais vous répondre. Ce n'est pas un problème de confiance pour le conseil municipal. Est-ce que vous avez vu le nombre de décisions qui ont été prises par la voie que vous critiquez ? Si nous devions voter toutes ces décisions en conseil municipal, le conseil municipal ne durerait pas 4 heures, il en durerait 20. La démocratie. Il n'est pas, permettez-moi de terminer, ensuite je vous redonnerai la parole. Mm-hmm. Il n'est pas possible de délibérer en conseil municipal sur toutes les décisions qui sont prises. Alors la démocratie, elle consiste à désigner des représentants, oui. à désigner un exécutif municipal, oui. et chacun, dans le cadre de ses prérogatives, les exerce. Mais la démocratie prend du temps, monsieur Luciano, et les limites, elles servent à ça aussi. Elles servent à redonner la parole à son conseil municipal. Madame, je m'arrêterai là, j'ai juste une question c'est orale, bien, si s'il vous plaît. Si vous arrêtez là, laissez-moi, moi, continuer. Hein, la démocratie, je pense qu'elle s'exerce très bien dans les près de 36 000 communes de France. Et dans les 36 000 communes de France, il n'y en a aucune où le conseil municipal a toutes les prérogatives. Nécessairement, par la force des choses, il faut que le maire puisse prendre des décisions et que ces décisions, elles soient prises immédiatement. Je ne Nous vais avons pas tous les dit matins, le contraire. Chaque fois qu'il y a un problème, je ne vais pas réunir un conseil municipal avec une procédure d'ordre du jour qui est particulièrement lourde et complexe, avec des règles de convocation qui font qu'on est bloqué pendant de nombreux jours. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, vous pensez... Je vous donne un c'est exemple. C'est dingue que vous alliez toujours dans l'extrême. Mais c'est pas ce c'est qu'on dit, en fait. Vous allez dans l'extrême. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne devrait pas y avoir de compétence sur l'article L21-22-22. Je n'ai jamais dit ça. Bon. Donc, si on n'y met rien dedans, il ne sert à rien. Bon. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que vous pouviez prendre tous les pouvoirs, mais qu'ils devaient être limités. C'est ce que je dis. Mais et c'est ce qu'on dit. Et je pense pouvoirs. que la discussion peut s'arrêter là. Voilà. Nous avons des divisions là-dessus. La décision s'arrête de mon point de vue. Bah, écoutez, pour votre point de vue, vous décidez d'arrêter la discussion quand ça vous plaît. Et en ce qui me concerne, c'est moi qui l'arrête quand ça me plaît à moi. Voilà. Donc, voilà. Ces échanges, je pense, sont clairs. S'il y a d'autres observations ou d'autres prises de parole... Je les donne. Monsieur Tivoli, évidemment, vous êtes fondé à prendre la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Ça concerne la demande de motion que je vous avais demandée lors du précédent conseil municipal. Je crois que je l'ai envoyée à vos services en temps et en heure, mais elle n'a pas été envoyée, je crois, à l'ensemble du conseil municipal. Je souhaiterais la présenter. J'espère qu'elle fera l'unanimité, puisque c'est important pour les Valoriens et pour les golfs jeunais. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est la demande de réouverture du guichet de la gare de Golfe-Juan. Le 15 mars 2019, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur votait une nouvelle convention avec la SNCF. Cette convention s'étend sur une période de 4 ans, 2019 à 2023. La contribution est réduite de 22 millions d'euros sur la période, je parle de la contribution donnée par la région à la SNCF. Elle passe de 276,75 millions d'euros
à 255 millions d'euros en 2023. Cette convention prévoyait donc une baisse drastique des subventions de la région envers la SNCF et en même temps, le même niveau de service était pourtant demandé. Alors comme conseiller régional, j'estimais cette équation impossible. Aujourd'hui, nous ressentons les effets de cette négociation néfaste, puisque force est de constater, et contrairement avec, à ce qu'avait dit M. Tabarot à l'époque, que le guichet de la gare de Golfe-Juan est bel et bien fermé. Mme Saluki disait qu'il n'allait pas fermer, M. Tabarot disait la même chose. Cela n'est pas acceptable, car cette gare est bénéficiaire. C'est une gare qui génère 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel, et cette fermeture elle est néfaste en plusieurs points. Nos personnes âgées ont des difficultés à réserver leurs billets sur l'automate qui se trouve devant la gare. Il est usé, il est vétuste. Les touristes n'ont plus d'interlocuteurs pour se renseigner. L'insécurité est grandissante. Une présence humaine était dissuasive. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ne pas agir et à laisser se développer la casse de notre service public. Et donc, au travers de cette motion, je voulais demander au conseil municipal de solliciter la région et la SNCF pour une réouverture du guichet de la gare de Golfe-Juan. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, monsieur Tivoli. Je me réjouis que nous partagions cette même préoccupation en ce qui concerne la gare de Golfe-Juan. Et loin d'inscrire votre motion à l'ordre du jour, je vais peut-être vous faire plaisir en vous disant que j'ai moi-même entrepris des démarches auprès de la région, auprès de la SNCF. Et donc la motion n'est pas utile puisque j'ai moi-même demandé à ce que nous récupérions un certain nombre d'éléments qui sont favorables aux usagers de Valoris Golfe-Juan. Et des discussions sont actuellement en cours, à la fois avec la région et avec la SNCF. Et j'espère que très bientôt, ces discussions vont donner lieu à des résultats tangibles au profit de nos concitoyens. Par conséquent, permettez-moi juste de finir un instant et puis je vous redonnerai bien sûr la parole. Par conséquent, je ne vois pas bien l'utilité de mettre à l'ordre du jour une motion qui va dans le sens de ce qui est déjà en cours d'être fait. Si les résultats venaient à ne pas être satisfaisants, là, dans ce cas-là, je vous inviterai à représenter votre motion qui pourrait être tout à fait votée par le Conseil, mais finalement, elle est superfétatoire parce qu'elle se surajoute à des démarches qui ont déjà été mises en œuvre par la municipalité. Je ne vois pas. Donc je ne vois pas bien l'utilité de la voter. Hein, on ne va pas dire deux fois on fait ça, alors qu'on est en train de discuter. En revanche, et je le redis, hein, si le résultat ne convenait pas, dans ce cas-là, on serait parfaitement fondé à voter une motion en conseil municipal. Ce serait votre motion, hein, je ne vais pas me l'accaparer. Et nous pourrions la voter dans les termes que... Peu importe si c'était votre motion, je l'aurais votée aussi. Mais je trouve... vous avez peur de quoi que les conseils municipaux votent la réouverture, une demande de réouverture de la gare de Golfe-Juan? Je n'ai peur de rien. Mais lorsque vous êtes en train de discuter avec des gens, vous n'allez pas voter une motion pour dire en gros ce qui est fait n'est pas satisfaisant. Donc déjà, laissons finir la discussion. Et je vous donne ma parole que si la discussion ne débouche pas sur un résultat qui convient à l'Assemblée, à vous. Je crois que ça pourrait appuyer votre discussion. Et aux autres membres. Dans ce cas-là, eh bien, je ferai volontiers voter votre motion, qui serait, dans ce cas-là, inscrite à l'ordre du jour. C'est pour cela que je ne l'ai pas inscrite, tout simplement, pour la raison que je viens d'évoquer. Hein, on est en train de travailler en ce sens avec la région et avec la SNCF. Bon, on ne peut pas vous dire mieux. Vous estimez que la région a fermé le guichet et je n'estime rien. Et qu'avec des discussions, ça va rouvrir. Moi, je pense que le poids du conseil municipal qui aurait voté cette motion aurait été important. Si vous estimez que vous seul, vous arriverez à avoir des discussions... Moi, je ne suis pas seul. Moi, je ne sais pas moi, vous personnellement. Seul, en tant que maire, vous ne consultez pas le conseil municipal. En tant que tel, je ne suis rien du tout. Je ne parle pas de ma personne. Je parle du maire, puisqu'il représente la collectivité. Si nous n'arrivons pas à des résultats, dans ce cas-là, bien entendu, eh bien, votre motion sera soumise au vote. Moi, je pense que ce qui est toujours important dans la vie, c'est de discuter, hein, de discuter avec tout le monde, d'essayer d'arriver à des résultats. Si on n'arrive pas au résultat par la discussion, eh bien, on peut passer par d'autres voies, mais d'abord, laissons la place au dialogue. Hein, et peut-être qu'on va y arriver, peut-être pas, moi, je ne vous garantis rien, mais en tout cas, ce que je vous garantis, c'est qu'on met en œuvre tout ce que l'on peut pour arriver au meilleur résultat possible pour les usagers de la gare. Madame Cantoni. J'ai une question orale, en fait. Oui, dites-moi.
Donc, la captation vidéo des trois derniers conseils municipaux a coûté plus de 8 000 € à la commune. On va rajouter ce soir, je pense, à peu près 2 000 €. Donc, on est certainement à plus de 10 000 € aujourd'hui, dépensés uniquement pour filmer le conseil. En plus, nous ne comprenons pas les sommes assez disparates qui sont annoncées entre les conseils municipaux. Tous les conseils municipaux n'ont pas du tout la même... somme, ne nous coûte pas la même chose. Alors que nous sommes attachés à la transparence, nous n'avons pas pu consulter ni les factures, ni connaître le nom de la société liée à cette prestation de service, alors que ça fait plusieurs fois que nous demandons cette information. Voilà, c'est ce que nous vous demandons ce soir, le nom de la société. Et surtout... ce qui est important pour la commune, dans quel délai le matériel vidéo municipal sera-t-il acheté pour justement ne plus avoir à payer chaque fois plus de 2 000 € de captation vidéo. Alors sur cette question de la captation et de la transmission des conseils municipaux, je suis comme vous, malheureusement, je regrette que les conditions sanitaires la rendent indispensable, mais nous avons un devoir de transparence vis-à-vis de nos concitoyens, puisqu'ils ne peuvent pas... qu'en nombre très limité assister aux conseils municipaux, nous avons ce devoir de diffuser pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Mais c'est pas ce qu'on vous demande, en fait. Permettez-moi, excusez-moi, Mme Cantoni, mais lorsque vous posez une question, j'y réponds comme cela me plaît, et si cela ne vous convient pas, vous êtes toujours éligible à reposer vos questions ou à me contredire sur ce que je dis. Mais au moins, laissez-moi terminer, et après, évidemment, vous ferez vos observations. Donc, je veux d'abord dire, on n'est pas en train de jeter l'argent par les fenêtres, pour parler très clairement aux gens. On est tout simplement dans un devoir de transparence. Il ne m'est pas agréable en tant qu'autorité publique de faire ces dépenses-là, mais elles sont nécessaires. Je tenais à le dire parce que on pourrait croire, d'aucuns pourraient croire, qui ont l'esprit peut-être mal placé, que ça ne sert à rien. Bon, les conditions sanitaires nous l'imposent. Tout le monde a droit de savoir ce qui se passe en conseil municipal. Et c'est la moins mauvaise des solutions, donc ça permet à ce que tout le monde soit informé. Alors, il y a eu évidemment des demandes de devis qui ont été faites à différentes sociétés. Les sociétés retenues à chaque fois sont celles qui proposent la meilleure offre, la moins disante, des offres de qualité. Je tiens à votre disposition, je les ai là sous les yeux, je tiens à votre disposition l'ensemble des devis et des éléments qui sont relatifs à ces prestations pour que vous ayez une parfaite information, vous et les autres conseillers municipaux qui souhaiteraient les obtenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on réfléchit à la possibilité d'acquérir du matériel vidéo pour faire nous-mêmes ces prestations. Vous n'êtes pas sans savoir que cela coûte cher. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que le budget de cette année est très contraint. Ça rejoint ce que disait M. Tiffany. Ça ne coûte pas 10 000 euros, Monsieur Luciano. Là, vous avez dépensé 10 000 euros pour quatre conseils municipaux. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être mieux informé que moi sur le prix des matériels appropriés. On l'a fait pendant 6 ans. Certes, avec des conditions... laissez-moi parler. Vous dites que je... Vous êtes en train de dire des choses qui... Est-ce que vous pensez que la collectivité peut se permettre de mettre un petit téléphone pour filmer un conseil municipal? Mais justement, bien sûr, parce que nous sommes un groupe citoyen. On n'avait pas les moyens de payer ça. Mais là, vous avez déjà dépensé 10 000 euros. Oui. Donc avec 10 000 euros, on peut avoir quand même du matériel vidéo qui permet de filmer le conseil municipal. Ne me dites pas que... Vous pouviez tenir ce discours il y a 3 mois, excusez-moi. Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours. Donc, moi, je vous demande le délai dans lequel le matériel vidéo va-t-il être acheté. Voilà, alors, c'est Madame, tout. Madame Cantoni, j'ignorais que vous étiez une experte en matériel de vidéo captation. Je me réjouis de cela. Et j'espère je suis experte que vous, en droit aussi, il paraît. Tant mieux. J'espère que vous allez pouvoir nous éclairer de vos lumières pour qu'on puisse trouver du matériel d'une qualité extrême et à un prix défiant toute concurrence. Donc, j'attends vos propositions à ce sujet. D'accord ? Ce n'est pas mon rôle, vous le savez très bien. Votre rôle, c'est juste de critiquer ce qui est fait, en fait. Ça, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous êtes en train de faire.
parce que vous faites des procès d'intention en disant qu'on est en train de jeter l'argent du contribuable par les fenêtres pour faire des captations qui ne servent à rien ou à des conditions qui ne sont pas les bonnes. Donc moi, je vous dis très simplement, ce n'est pas ce laissez-moi que j'ai finir. Dit. Ça fait 3 fois que vous me coupez la parole. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous respecte, respectez-moi. D'accord ? Donc, comme je le disais, madame, ce n'est pas pour jeter l'argent par les fenêtres que nous faisons cela, c'est tout simplement parce que nous y sommes contraints par les conditions sanitaires. Et c'est pour ça que je vous propose, gentiment, si vous avez de meilleures idées, si vous avez des matériels qui vous paraissent appropriés pour cela, de nous éclairer, de nous faire des propositions. Et c'est avec très grand plaisir que nous vous écouterons. Et si c'est faisable et si c'est effectivement économiquement avantageux, que nous suivrons vos préconisations en la matière. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous remercie, Monsieur Manago. Oui. Dans ce même principe de transparence, au Conseil précédent, nous avions formulé, disons, la demande d'avoir l'état exhaustif du personnel avec les nouvelles recrues éventuellement, s'il y en avait, bien sûr, et copie des contrats par la même occasion. Nous n'avons rien reçu. Pas bien grave aujourd'hui, mais ma question que je formule ce soir, est-il possible dans ce cas-là, toujours dans ce principe de transparence, que l'opposition puisse avoir copie sans avoir la demander systématiquement lorsqu'il y a des affectations ou transferts, voire contrats ou conventions de nouveaux personnels dans la commune, au titre de la transparence pour contenir les propos et naturellement les conditions pour lesquelles ces personnes-là, par leurs compétences aussi sûrement, ont été engagées dans la commune. Alors, merci. De deux choses l'une, vous aviez sollicité précédemment, donc au courant du mois de juillet, si je ne me trompe pas, l'état des effectifs au 1er juillet ou au 30 juin. J'ose me permettre de vous rappeler qu'à l'époque, le maire, c'était votre tête de liste, Madame Saluki, et que donc elle devait être en mesure de vous fournir ces informations. Je m'étonne qu'elle ne l'ait pas fait. Ce n'est pas le cas, vous devriez voir avec elle, puisque je pense, j'ose espérer en tout cas, qu'elle connaissait ces informations. En ce qui concerne votre demande d'avoir les contrats et d'avoir les éléments sur les agents, il s'agit de mesures individuelles qui relèvent de la confidentialité. Et par respect, il y a le principe de transparence d'un côté, bien entendu, mais il y a aussi le principe de respect des droits de la personnalité. Un salarié n'a pas à avoir son contrat, ses conditions diffusées au grand public, même si vous êtes la représentation. Et à ce titre, eh bien, je ne pense pas me tromper en vous disant que nous n'avons pas la possibilité de vous transmettre ces contrats. Voilà. J'espère avoir répondu précisément à votre question. Oui, merci pour cette réponse. Je pensais qu'en tant qu'élu, naturellement, nous sommes sous un droit de réserve, ça va de soi. De la même manière que tous les documents que nous recevons à chaque préparation de conseil municipal, comme certains documents qui sont naturellement réservés à ce conseil et à point d'autres personnes, je peux supposer naturellement que ces documents qui resteront naturellement confidentiels peuvent relever en fait de la transparence entre conseillers municipaux. Alors ce n'est pas moi qui décide, bien entendu, mais étant donné qu'il s'agit d'actes individuels, nous avons des règles de protection de la confidentialité de ces documents et c'est la raison pour laquelle je suis dans l'obligation de vous dire que ce n'est pas possible. Y a-t-il d'autres questions ou prises de parole qui sont demandées ? Non, dans ce cas-là, je vous remercie. Et la séance est levée, je vous dis au prochain conseil.